Pas ta case, elle s'est fait fouiller. Ouais. Bon, avec you. Salut tout le monde, bienvenue dans On se barre le casque, épisode 108. 108! Ouais! Ouais, c'est ça, je me suis pas demandé 108. Pourquoi vous dites le numéro de l'épisode, parce que c'est écrit quand le monde l'écoute. J'ai commencé en le faisant, puis là, ça a juste continué, puis je me suis jamais posé la question. Parce qu'à un moment donné, on pogne un chiffre genre rond, puis là, d'habitude, on brosse. C'est vraiment le party. Ouais. C'était tout le temps un genre 110, un décompte. Là, mais que ça s'en vienne. C'est un décompte vers une brosse infernale, en fait, fait qu'on se garde à jour. C'est à 150. C'est pas déjà la brosse infernale à toutes les fois que vous avez fait ce podcast-là? C'est ça dépend. À ce temps, on enregistre le samedi après-midi. Fait que, genre, en général, on est plus tranquille un peu. Ouais. On est plus sage. On est juste hangover. Ouais, c'est ça. C'est parfait. Ouais. Tout autre dynamique. On est smooth. Fait que, merci à tout le monde d'écouter. Si vous avez deux minutes, allez liker notre page Facebook si vous ne l'avez pas déjà fait. Puis, si vous écoutez sur n'importe quelle plateforme, abonnez-vous. Ça nous aide à gagner en crédibilité. Puis, c'est pas mal ça. Le Patreon, peut-être? Oh oui, le Patreon. On va remercier les gens. Le Patreon, genre. Allô? Ils sont importants. Ouais, mais en tout cas, un gros merci à tous nos Patreons. Yann Tivierge, Gab Vio, Pierre-Luc Paquet, David Morin, Dominique Duval, Axel Curello, Joanie Morin. Axel Curello. C'est Axel? Axel, ouais. Axel. Ça, c'est malade, Axel, c'est comme prénom. C'est, ouais, c'est malade. Ça fait très flic de Beverly Hills, en fait. Là. Je l'ai sur hey, mon Facebook. Allô, Axel. Ah, pour vrai? Oh, my God. C'est un nom que je reconnais. Ouais. Ben, clairement, Axel. Ça m'a accouché sa poudre. Écoute, Axel a le pénis solide tout le temps, là. C'est sûr. Et certain. Son pénis est gardé humecté en tout temps, cet homme-là. Il y a probablement qu'un chapitre sur celle-là. Je probablement. Ben, il y a un nom, Axel, ça fait comme. Ça fait Rose. Rock. Ça fait. Ouais, je pense à Axel Rose. C'est parce que j'ai vu le film de Motley Crue sur Netflix. Ouais, c'est ça qui arrive en ce moment. Ouais. Je viens de cacher. Ouais. C'est trop horrible dans ta tête. Ouais, garder bon, son pénis humecté, dans quel sens, on juste m'en vient. Ben, genre, il y a tout le temps une fille après. Genre. Ok, d'accord, oui. Tout le temps. Il toujours humecté parce qu'il est à l'intérieur de d'un vagin. Oui. Oui, oui, oui. Faut pas genre. Ou même peut-être de la bouche. Dans un verre d'eau, c'est pas une condition médicale. Il y a un condom attaché avec de l'eau avec un tailleur. Ou Achille dans la mythologie grecque est indestructible tant que son pénis n'est pas touché. Oh man. Non, ouais. 100% du temps humecté. Ah, tu rêves, le pénis d'Achille à la place du talon d'Achille. Elle le dip dans l'eau. Là. Toujours un verre d'eau du Styx pour le garder humecté 100%. En tout cas, les fans de mythologie grecque vont trouver ça. Ah oui, j'apprécie, moi. Joanie Morin, Alex Soro, Alexandre Côté. On recommence ça. Yes, non, mais Alexis Baribault, Mathieu Bélanger, Nathanaël Soulard de Sage, Sam Bombardier, Sam Franqueur, Yves Les Tourneaux. Je t'aime, Axel. Cheers, les amis. Ouais, cheers. Bravo à tout le monde. Cheers. T'as pas dit d'écouter 5, de donner 5 étoiles, par exemple. Ah, ouais, donner... Normalement, tu dis ça avec une voix de tirage de t-shirt. Donnez-nous 5 étoiles. Ah, mais je le dis plus, ça fait un nasty de bout. Mais si vous avez 2 secondes, allez donner 5 étoiles sur iTunes. Ça, toutes les plateformes. Et ça nous aide à pas être dans le top 100 jamais. Ouais, fait que, ben, on va présenter l'équipe à la console, M. Philippe Lalonde. Hey, salut, bonjour. M. Justin Ouellet. C'est moi. Et qui est lui? JF Dénommé. Et moi. Yeah. Et très content d'avoir de retour avec nous cette semaine, M. Charles Beauchamp. Ouais. Il était là la semaine passée, mais on a tout délité ça. C'était pas bon. C'était pas bon. Ça a pas donné un bon. Tu vois, je m'en souviens même pas. C'est génial. C'est ouais, c'est un autre vendredi soir. C'était flat. J'étais quelqu'un d'autre. L'autre Charles. Ouais, l'autre Charles, mais ben là, ça veut dire qu'il se met à se manifester contre mon gré, puis ça devient dangereux. Par descendante de Monsieur Hyde, tout ça. On va tout vous tuer. Rien. Fait qu'en sujet d'intro cette semaine, une scène qui s'est produite mercredi à Avignon dans la Vaucluse. Excusez-moi. La Vaucluse. J'adore quand tu prononces c'est des quoi, noms. Ça, I guess, c'est une province. Un État en France. Un État. Je sais que les États. Ouais, mais c'est parce que là, il fallait que je dise un mot. Province, j'imagine. Province. Province, c'est pas les provinces. Oui, c'est pour ça qu'ils appellent la région la province en France. Ah, province. Ouais, mais c'est pas comme une. Telle province, genre, c'est parce que leur système politique est centralisé, ils n'ont pas de gouvernement provinciaux. Ah, oh, va ils chier, ont juste le Christ. Un gouvernement centralisé. C'est la réponse. C'est en province, c'est comme en campagne, genre. Okay, okay. La réponse que tu aurais dû me donner avant que je m'avance comme un élu. C'est ça qu'on aurait dû faire. Mais en même temps, Vaucluse, c'est ça le mot que tu as dit? Vaucluse. Qui est juste.
aucune crise d'idée c'est quoi non plus. Ça pourrait vouloir dire genre caniveau, je sais pas. C'est-tu en deux mots, genre Vaucluse avec non, un non, c'est S, un mot, c'est V-A-U-C-L-U-S-E. V-A-U? Ouais, V-A-U. Ben là, j'ai mon hostie de voyage. Ben oui. Vaucluse. Crise de bon, moi, mais dans une là-bas. La Vaucluse? Ouais, dans le. Le Vaucluse. Dans le Vaucluse. Là, je comprends plus rien. Bon. Ton Wikipédia dira ça. Ouais, ouais, ouais. C'est-tu Cluse, c'est le nom d'un veau? Oh. J'aimerais vraiment que les choses soient aussi simples. Mais j'ai l'impression qu'on n'y est pas. Fait qu'une mère et son fils de 2 ans étaient tranquillement assis dans le bus lorsqu'ils ont été importunés par deux individus âgés de 40 et 44 ans. L'un des hommes a poussé le petit garçon pour lui prendre sa place. Ben voyons donc. Puis la maman s'est pris une violente gifle en tentant de s'interposer. C'est bien dingue. Hein? Ouais. Ben voyons donc. C'était où, en Avignon, en France? En attends. Le petit effronté voulait pas laisser sa place à quelqu'un dans l'autobus. La mère a dit non, mon fils, il s'assoit où qu'il veut. Puis là, elle s'est fait frapper par une pauvre vieille dame qui voulait s'asseoir dans l'autobus. Les enfants rois. De pauvres vieux monsieur de 40 et 44 ans. L'âge où t'es incapable de rester debout. Oui. La classe sociale la plus oppressée en France, honnêtement. Là, c'est les 40 à 44 ans. 40 à 44 tout enlevé, même. Ben oui. Plus rien. Fait qu'est-ce que c'est, comment ça s'est terminé? Est-ce qu'ils sont mangés, finalement? Finalement, les agents de la compagnie ont tenté d'appréhender les deux agresseurs en attendant la police. Puis les forces de l'ordre arrivées sur les lieux ont interpellé les deux quadragénaires et les ont placés en garde à vue. Quadragénaires. Encore du victim shaming. Les deux suspects devraient être déférés aujourd'hui devant un magistrat du parquet d'Avignon. Ça sonne solide. C'est le parquet d'Avignon. Magistrat, parquet, puis Avignon. Ouais, le parquet, ça veut dire qu'il était... C'est les Français qui écoutent le podcast puis que ça vous tente de nous donner un indice sur ce qui est en train de se passer. Ouais. J'aurais aimé ça que ça finisse pas sur une phrase que je m'en farge d'être trois mots qui... Solide. Non, c'est effectivement une phrase de mort. Réglé au parquet. Ouais. Sinon, j'avais une autre nouvelle vu qu'elle était courte. Là. Un appel... Non. C'est un appel... OK, je le ferai pas. Un appel étrange. Okay. Ah, c'est vrai qu'étrange, c'est un mot difficile à dire, Marco. Non, parce qu'on dirait que je me suis mis à stresser vu que j'ai manqué des mots. Fait que là, je fais juste bugger. C'est pas grave, c'est pas grave. Ils ont reçu le 15 mars les policiers du comté de Starr, au Texas. Les agents de l'United States Border Patrol leur ont téléphoné à 19h50 pour signaler qu'un homme est en train de violer une vache. José Nino, 28 ans, a été interpellé et placé en détention provisoire à la prison fédérale de Starr County avant d'être libéré après avoir versé 1 500 $. Puis, dans le fond, il va être jugé pour ça. Il est au Texas, puis il risque 2 ans de prison. Ouais, mais ce genre de situation-là, c'est soit vraiment un homme vraiment trop dépourvu pour avoir du sexe ou une vache très sexy. Hein. Ouais. C'est peut-être cette vache-là qui est en train d'être une véritable salope. Là. Ben oui, on sait pas ce qu'elle portait la vache, dans le fond. Non, exactement. Je pense que c'est José Lino. Non, José, c'est Nino. José Nino? Vraiment, José Lito, que c'est bien plus. Non, je suis José Nino. En plus, les bagages sont dans le train, donnez-moi 2 secondes. En plus, Nino en espagnol, c'est pas genre un enfant, genre. Nino, je pense. Ouais, je pense que oui, mais je pense que c'est en espagnol. En bambin. Je sais pas. Les Ninos, c'est des enfants. C'est le en espagnol. Mais dans le fond, il n'y a pas le José l'enfant. C'est 28 ans, zoophile. C'est une esti de bonne biographie, Tinder. Regardez-les. Ah non, dans le fond, ça doit être Nino, parce que le gars, il a l'air quand même hispanique. Ouais, le gars. Il a pas l'air d'un enfant, par exemple. José Nino. C'est de la base. Bon, oui, il a l'air d'un adulte très ouais. Une bonne moustache. Il a l'air de quelqu'un qui est sur le point de considérer de mettre son pénis dans un bovin. Quelqu'un qui en est rendu là dans son processus. Les gens qui regardent clairement, ils verront pas tant que ça. Fiez-vous à nous. Allez le chercher sur Internet. Ah ouais. Vous avez son nom. C'est comme le monstre d'un film d'horreur, ce sera jamais aussi nice que ce que vous imaginez. C'est clair. Fait que, on va commencer avec la chronique à Phil. Yes, oui. Cette semaine, en fait, la semaine dernière, là, j'avais les applications de magie blanche là, pour aider à me faire arrêter de boire de l'alcool et me remettre sur le droit chemin.
finalement, ça n'a pas marché pendant tout. La fameuse application de téléphone. Non, je me suis fait crosser. Ben oui, Phil s'est fait crosser encore. Ben oui, vas-y, grand cave, mec, en 15$ sur une application de magie blanche de marde. Fait que là, je me suis dit, OK, là, je me suis fait avoir en masse, mais là, ça a fini cette semaine. J'ai trouvé le truc qui va m'aider enfin à arrêter puis à vaincre tous mes démons. Fait que pour ce faire, j'ai été aujourd'hui à la boutique ésotérique avec ma mère dans le village de Sainte-Julie. Elle devait être fière. Elle était très contente, oui, parce qu'on a trouvé des belles affaires. Je me suis dit que j'arrêterais de me faire estorquer tout mon argent, fait que je me suis retourné vers la religion. Fait que ce que j'ai un bon step, ça va bien les gens. Écoute, c'est une institution établie, il y a des choses qui marchent là-dedans. OK, là on parle. Ce que je respecte, c'est les anciens toxicomanes. Là, c'est sûr que vous parlez là, de la religion catholique, tout ça. Moi, je parle du bouddhisme. Je me suis reviré vers ça. C'est un beau livre. Est-ce que c'est vraiment une religion ou plus une philosophie? La madame me l'a dit. Je suis comme je sais pas. T'as pas vraiment écouté, hein? Non. Ça, je pense que c'est le premier chapitre du livre. En fait, arrêtez de faire chier les gens avec le fait que c'est pas une religion, c'est une philosophie. Exact. Fait que c'est ça. Fait que j'ai le livre 365 pensées sur les traces de Bouddha. Ça, c'est tout un beau livre. D'ailleurs, je voulais vous lire juste le derrière, juste pour introduire ça. cheminer tout au long de l'année sur les traces de Bouddha à travers cette sélection de citations éclairées, de photographies apaisantes, découvrez une sagesse millénaire et initiez-vous à la méditation au quotidien. Page après page, jour après jour, marchez dans les pas des grands penseurs bouddhistes sur une voie d'harmonie et de douceur. Ça a vraiment l'air d'une affaire pour les Blancs, ça. Vraiment l'air d'une méditation pour les Blancs. Ah, c'était dans l'arrangé blanc, mais je pensais que c'était magie blanche. J'ai déjà lu ça sur une bouteille de Prozac, quelque part. D'ailleurs, c'est mon chakra est mauve, donc je vais mettre la pancarte. Logo Pro qui permet cette... Logo Pro, allez... Nommez-les pas, con. Nommez-les pas, ce tabarnak-là. Fait que c'est ça, puis là, j'ai une coupe d'affaires parce que, en tout cas, elle m'a expliqué comment ça fonctionnait. Ça m'a coûté 100$. Fait que, ça marche. C'est un deal, quand même. Fait que c'est ça, il y avait comme des chandelles là, qu'il fallait que j'allume pour ça. Prenez-vous-en une chaque, là. Allumez-la, sans vous brûler. Lighter, là, par exemple. Ah, OK. C'est tu fais des sprints en 2019. C'est vrai. Tout le monde a... OK, parfait, comme ça. Un petit lighter. Vous pouvez allumer ça si vous voulez m'aider. Là, attention, pas de brûler, toi, Chris. Non, je me brûlerai pas. OK, parfait. J'ai déjà fait ça, mon ami. Dernière personne qui a fait ça, il a poignardé un prêtre. Hein. Oui, c'est vrai. Ah, ouais, ben ouais. C'est un bon plan, ça. Vas-y. Qui est ça qui a poignardé un prêtre? Un monsieur, ouais. Ouais, j'ai justement pas de chandelle. Je suis pas sûr que Bouddha est pour la marijuana, mais je vais faire une exception. Non, mais c'est comme l'encens, tu sais. Bouddha, je pense qu'il serait bien, content de nous voir étudier 365 de ses plus grandes philosophies. Oui. Ne serait-ce qu'un peu bad. En fait, un gros dieu chauve tout le temps en train de sourire. Viens pas me faire à croire qu'il fume pas de batte, là. Juste prophète. Ok, c'est vrai. Je vais allumer ta chandelle. Merci. Écoute, tu s'en prie. D'ailleurs, l'idée m'est venue parce que je regardais des pages Facebook puis tout ça, puis ma tante pose tout le temps des philosophies, elle, sur Facebook avec un fond de paysage ensoleillé. Ouais. Puis il y en a une couple qui m'ont frappé jusqu'au fond de mon âme. Fait que, là, j'aimerais ça que tu ris pas. Fait que. Il essaye de s'ouvrir à nous. Ok, là, c'est correct? On peut. Ouais, ben oui. Je suis ton bord, Phil. Ok, parfait. J'ai amené ton processus. Fait que là aussi, j'ai amené un autre item. Là, OK, garde, jugez-moi pas. Là, c'est supposé être une espèce de gang tibétain, là, mais Chris, ça coûtait 300. C'est pas un mortier, genre? Non, ça, c'est c'est un mortier. C'est un truc pour écraser du poivre rouge, ça. Depuis que j'ai fumé, je comprends Bouddha. Bouddha voulait écraser du poivre. Regardez, aujourd'hui, là, je me sens serein. Vous n'arriverez pas à m'atteindre avec vos insultes. Je vais continuer ma chronique. Ah oui, hein? Donc, pour ouvrir la cérémonie, justement, je voulais juste faire un coup de... Là, c'est important de garder le silence. Je vais juste faire un petit... Je connais quelqu'un qui faisait ça, il pensait que la terre était plate.
Ben, je pense qu'elle est pas totalement ronde, si tu veux le savoir. Okay? Fait que c'est ça qu'on a découvert en faisant deux fois dans le métal avec un fabrito. Ouais, ouais. Ben, ça fait surgir des choses des fois surprenantes, dont ça en particulier. Ouais. Donc, moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est ça, c'est un album qui va par jour. Donc, j'ai stalké toutes vos pages Facebook, j'ai trouvé vos dates de fête. Fait que, c'est pour téléspectateur. Fait que c'est ça. Ben fait, oui. Fait que là, je voulais commencer avec la première citation. La première citation, c'est celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, en 29. Là, je fais du temps parce qu'il faut que j'ouvre la calice de... OK. Restons zen. Ça sent bien, ça sent bien. Restons zen, restons zen. OK, donc, première pensée du jour. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié une affaire bien importante. Elle m'a dit, ça, il faut que tu mettes de la musique dans l'ambiance. Fait que j'y étais avec un album New Age d'inspiration autochtone. Autochtone pour Bouddha. Chris, que là... Non, mais c'est le multiculturaliste canadien. Pierre-Éliott Trudeau serait bien fier. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est un autre Afgang. C'est Marco. Fait que c'est ça. J'ai mis une petite musique parce qu'il faut... C'est l'ange que Philippe a appelé la dernière fois. Oui, c'est... J'aime ça que pendant la chronique à Phil, nous, on fume un bat. Marco s'enfarge dans des chips. Toi, tu parles d'un autre appel. Continue. Continue ta chronique. On va continuer le podcast. Je suis zen. C'est correct. C'est pas grave. Des fois, ça choque. Je peux-tu te lancer des chips en même temps? Non. La vérité fait mal? Non. OK, donc, aujourd'hui... C'est ironique qu'on soit en train de tester sa patience à faire du bouddha. Ouais. Non, je suis correct, me sens bien. Comme dans Bad Boys 2, quand Martin Wallace fait Lawrence, fait « Ouh, ça! » Là, tu vas arrêter de niaiser, là. Okay. C'est dans c'est l'affaire avec Adam Sandler, ça. C'est dans Anger Management. Peut-être qu'il le faut aussi. Je pense que c'est le même gag. Peut-être c'est les deux, ouais. Ah, ben, pour ça, t'as arrêté de parler. J'arrête. Câlisse! J'arrête. 29 mars, il y a dans le renoncement une délicieuse saveur de simplicité, de paix profonde. Ça, c'est la pensée d'aujourd'hui. C'est profond, hein? Ça, c'est la saveur. En fait, c'est que j'ai pas tout compris, mais je sais qu'il y a quelque chose... Tu peux la répéter? Oui, il y a dans le renoncement une délicieuse saveur de simplicité, de paix profonde. Ça, en gros, ça veut dire que si tu dis non à un paquet d'affaires, les choses vont bien aller parce que tu n'auras pas ces affaires-là et tu t'inquiéteras pas de ce shit-là. Ah, ben ça fait du... C'est ça, je pourrais... C'est ça, je pensais aussi, dans le fond. OK, c'est bon, je t'en forme, là, un peu. Yes! All right. OK, parfait. Ben, je vais y aller avec toi, Charles, en fait. J'ai sorti ta date de fête qui est le 30, c'est demain, en plus. Demain. Ça tombe bien. Dès que c'est demain. Dans 3 ans, je suis vieux. Ben oui. Dans ton jeune. Jeune homme dans... Oui. Ah, puis... D'ailleurs, on m'a aussi dit qu'il faudrait que je vous donne des noms d'origine bouddhiste. Fait que moi, pour ce faire, j'ai été dans un générateur de noms bouddhistes sur Internet. C'est à peu près le même principe que les générateurs de noms autochtones, mais là, c'est bouddhiste. Genre le générateur de noms de Star Wars. Ouais, exact. Fait que j'ai trouvé des noms le aussi. Monde du Wu-Tang Clan. Ouais. Marco, tu vas t'appeler Rangdoll. Loser. Moi, c'est Shuffle Gunpo. Tu t'es donné le meilleur nom. Toi, Justin, c'est Dicky Yeshi. Yeah. Badass. GF, toi, t'es Pemba Chaudron. Pemba Chaudron? Pemba Chaudron, ça a donné. Charles, toi, t'es Ngonga Ngonga Danakstang. On va t'appeler Ngonga. C'est celui qui est imprononçable. Ouais. C'est moi, votre vieil ami, Ngonga. Il y a un N avant. Podcast, tout le monde. OK, fait qu'on va y aller avec... Justin ou bien Deki Yashi. Fait que mon Deki Yashi, toi, Justin, si je veux ça. Mais t'as même pas lu celle de Charles, là. Je l'ai-tu lu? Ah non, même pas. Ben oui, excuse-moi. Je vais donner nos noms. Excuse-moi, Ngonga. Nom d'animé japonais. Mais non, Deki Yashi, il faut nous rendre à la montagne du destin. Je suis pas d'accord avec cette affirmation. Ngonga, on s'en peut Ngonga. Le maître des esprits. J'ai vu la tienne, d'ailleurs. Je l'ai trouvée bien spéciale. Oui, pour ma fête. Attends, c'est important. Ça. Oui. Les phénomènes sont précédés par le cœur, régis par le cœur, générés par le cœur. Les phénomènes sont précédés par le cœur, régis par le cœur. Oui. Et quoi? Et générés par le cœur. Oui, mais...
toutes les affaires qui vont arriver autour de toi, c'est parce que c'est toi qui vas les avoir provoquées. Ben, c'est ça. Puis, les résultats. Ah oui, exact, exact. Ben, c'est à peu près ça que... Faut qu'on l'apprenne dans le livre. Hein. On est beige. Oui, c'est à peu près ça que la dame aussi m'a dit. C'est là-dessus, puis trouver le miné. Ouais. C'est de la micro-méditation qu'on est en train de faire. Une coiffeuse et un statut Facebook aurait pu dire la même chose que Bouddha là-dessus. Là. C'est parce que c'est Bouddha qui a inventé les statuts Facebook comme ça. Oh. Oh. Ouais, c'est parce que le Bouddha était coiffeur. Le bouddhisme. D'une certaine façon, tu sais. C'est parce que le bouddhisme, ça a été inventé sur des bases de pensée. Ça s'en allait vraiment quelque part. Pendant... Fait que je vais y aller avec Marco ou Rangdoll. La musique est bonne, ferme-la non. Ah, non, ben. Laisse-moi ça là. Ben non, l'ambiance est géniale, Steve. Voyons donc. Fait que c'est ça, moi, avec la tienne, Marco, pour le 22 septembre. Pardon. Méditer, c'est comme rentrer à la maison. Et nous avons tous besoin de ça. C'est vrai, ça. Parfois, il faut prendre le temps de s'arrêter et de réfléchir, de penser à ce qui est en train d'arriver. C'est la meilleure façon de revenir en connexion avec toi-même et ce que tu veux vraiment faire et ce que tu veux véritablement incarner par la suite. Absolument, Ngonga. J'aime bien comment tu parles. Le grand sage de la chute d'eau éternelle. Il va en profiter pour se resparquer sur l'eau. Ouais. Fait que je vais y aller aussi après ça avec GF ou Pemba Chaudron. OK, donc c'est pour gagné. Toi, pour le 15 novembre, en fait. Qu'est-ce que tu connais ma fête? Ben oui, j'ai été vous stalker tout le monde. J'ai vos mensurations de pénis. Donc, ça pour aussi, toi... C'est Facebook. Pour cette information. Écoute, ouais, ça, Facebook, Facebook a des yeux partout. La petite caméra sur le laptop, là, quand vous vous grossez, là... Hein? Est allumé en tout temps, messieurs, rappelez-vous-en. J'ai mis du duct tape dessus, et si je t'ai immunisé à ça, le FBI, il peut pas me regarder me crosser. Ah, OK. Fuck you. Ben, c'est pas pire, c'est pas pire. Donc, pour toi, pour le 15 novembre, le corps et l'esprit ne sont ni un ni deux. Le corps et l'esprit sont deux et un en même temps. Là, j'ai rien compris de celle-là, mais il y avait le corps, l'esprit, jamais comment c'était... On va aller au prochain. Le corps et l'esprit ne sont ni un ni deux. Le corps et l'esprit sont deux et un en même temps. Mais tu vois, là, Charles t'a demandé de répéter pour essayer de comprendre lui-même. Moi, j'étais content que tu répètes pour te voir rien comprendre une deuxième fois. Ben, en fait, c'est parce que ce qu'elle m'a dit, c'est que c'était bien, bien, bien profond. Je me suis pas posé de questions. Mais celle-là était à hard. Ouais, il y avait mais c'est sa première lecture aussi. Là, c'est une contradiction assez directe. Non, en gros, c'était toujours in sync avec toi-même. Pose-toi pas trop de questions. Fais les affaires de la façon dont t'es feel, puis le corps et l'esprit. Faut que j'adapte. Je veux faire un esprit sain dans un corps sain. Oui. Faut vraiment que j'aille des piments forts. C'est mon esprit qui me le dit. Oui. On restart ça. On va tuer Normand. C'est chaud. ça a réarrêté les piments forts. Ouais, ça a duré une saison ou deux, je pense, maximum. Hein. Ah ouais. Mais c'était correct. C'était comme un petit bonbon pour un Québécois moyen. C'est comme OK, là, j'aime bien Normand Brathwaite, là, mais revenons à nos moutons. Revenons-en à Bouddha, pardon. Donc, j'ai trouvé ma date de fête, le 18 novembre. Et en plus, c'est une longue citation. Je suis quand même pas peu fier de ça. Là. Quand on est fondamentalement soi-même, assimilé tel qu'on est par la nature, il n'y a plus alors de fracture entre soi et l'autre. Et cet ensemble harmonique, l'espace d'un instant, n'a pas de fin. Ça a été écrit par Dainin Katagiri. Daigiri? Right? Veux-tu pas arrêter de niaiser, toi, Chris? C'est une joke. C'est drôle que ce soit ce don-là, mais que lui, en fait, c'est un pompiste qui a dit ça pour avoir plus de type. C'est un pompiste en Thaïlande, là, il a jamais rien fait. Et pour finir, je vais y aller avec Deki Yeshi. C'est moi. J'aime bien ton nom, je t'ai mis en dernier. Donc toi, le 22 décembre, ouais. Ça c'est les ondes qui me l'ont dit de Facebook. Les sauts se laissent entraîner au loin pour un instant de plaisir, laissant derrière eux des trésors durables. Les quoi?
les sauts. Des trésors durables. Non, non, au les début, sauts, au début, dans le sens les idiots, les fous. Les S-O-T-S, oui. Ah, OK, les sauts, les sauts. OK, répète maintenant que je sais de quoi on va. Les sauts. Les esclaves sauts. Entrez. GF, le Chris. Là, là, j'essaye de m'aider, là. OK? Moi, je suis pas sûr que c'est bon pour ta santé mentale faire ces chroniques-là. Calice! C'est combien, ce livre-là? Ben non, ça va bien. Ça va bien, esti. J'ai un livre... J'ai des fucking chandelles. J'ai des hosties de bruit de gorge dans le fond. Ça va bien, OK? Oh, t'as raison. Fait que là, je vais relire la citation. C'est combien, ce livre-là? Cher. les sauts se laissent entraîner. Alors, ça me tente même plus. Ah, c'est fini. Je connaîtrai jamais mon avenir. Tu connaîtras pas ton avenir, hostie, puis je m'en calisse. Fait que, salut Bouddha, puis merci tabarnak, puis je vais me pencher là-dessus. C'est ça qui m'a fait à ma chronique de cette semaine. Merci tout le monde. Merci, j'ai apprécié, même si je vais probablement mourir parce que j'ai pas d'avenir, parce que le livre me l'a pas dit. Va falloir écouter le podcast pour avoir la version complète de la citation. Ah, oui. Fuck. Exactement. C'est, ça j'ai une, ça écouter notre podcast. Ça a une valeur de rire. Ouais, fait qu'on va continuer avec la chronique à Justin. Ouais, écoute, j'ai pas eu le temps de chier c'est vraiment loin. Ouais, c'était weird cette semaine. Ah ouais, ça fait du bien qu'il n'y ait plus de musique dans le fond. Ouais, hein, pour vrai, on dirait que ça. Ouais, t'es un peu en transe, là. Ouais. Ça prenait des shots pour se mettre dedans. Je suis vraiment le seul qui aimait la musique. Non, mais tu sais, je l'aimais, sauf que genre, je me serais écrasé dans le divan, puis j'aurais, je sais pas, introspecté sur la vie de toutes mes ancêtres. La prochaine, c'était James Brown, by the way, mais vous l'avez manqué. En podcast. Avec la petite musique. Quoi ça? Ah, personne n'a rien. Ben, genre, je vais le répéter. Ceux qui écoutaient le podcast vont l'entendre une deuxième fois, mais avec cette musique-là, je me sentais plus, mettons, au spa qu'en podcast. Ouais, c'est vrai. On devrait faire un épisode. Un podcast dans le spa. Ouais, au spa, genre, tout se faire masser. Ouais, mais ça capterait le bruit du spa. Ouais, mon spa. C'est une très mauvaise idée. On laisse l'eau chaude, ferme le robinet. Je suis jamais allé au spa. On fait ça dans un garage, mon GF. Bon, l'humidité doit faire chier la plupart du matériel. Ouais, c'est sûr. Attends, j'ai un plan. Tu fais le podcast tout nu en serviette? Non. De gros doux, de slintant en arrière. Non, en soute dans le sauna. Je suis on pourrait se mettre des micro-casques comme les grandes gueules. Ouais, c'est ça. On se met un bureau comme à RDS, genre, qu'on est tout dans un sauna, puis on enregistre un podcast demain. On fait un podcast de hockey, mais dans un spa. Mais il faut absolument que le décor, ce soit des hommes d'un certain âge qui vous regardent. Ouais. Des poker face, en serviette. Les petits gars sont en train de faire un podcast, là. Ouais. Il y en a deux, trois, c'est des comédiens différents, toutes les fois. Je suis pas sûr, mais je dirais rien. C'est ça leur émotion faciale. Ah, ben là, j'ai juste envie de faire ce podcast-là. Tout ça collé. On change son appart en hey, je vais vous dire de quoi, il y a un sauna à piscine de Sainte-Julie. Ben voyons, on est pas tout voyage. Il y a une piscine à Sainte-Julie. Une piscine. Ça, c'est de mon père. Il invitait tous les enfants du quartier. C'était une belle ribambelle de bambins. Il appelait ça le neve. Oh fuck. Ça serait terrible. C'est un podcast enregistré dans une piscine intérieure là, avec tout l'écho de la. Oh ouais. C'est bon, ça serait insupportable. Avec des enfants qui crient en arrière. Là. C'est vrai que ça serait bien. Oh, ils font la file pour aller sauter du tremplin. Tout est à côté de ça. T'as tout le griffon. Les podcasts de l'extrême. Ils s'en vont dans des conditions extrêmes c'est-tu, pour enregistrer un podcast. Puis tout ce qui est extrême pour un podcast, c'est des enfants qui crient en écho. Sauter du tremplin. Là, en ce moment, on est en train de donner cette idée-là à un autre YouTuber qui va le faire. Ouais. Qui va le faire, il va être riche. Ça va être genre PewDiePie qui va faire genre « Oh, on est à la piscine! » Le podcast dans un sauna. Oh. On va t'actionner si tu fais ça. On a des preuves. Trademark. En tout cas, je vais y aller avec ce que j'avais préparé. C'était pas quelque chose de très gros, mais je pensais, dans le fond, faire ma part pour sauver la planète, parce que c'est important. Oui. Fait que je me suis penché sur un des problèmes, qui est la grosse surconsommation de papier puis le coupage d'arbres, parce que c'est quand même un problème. Là, on a besoin, comme des arbres, pour pouvoir respirer l'air qu'on a besoin pour vivre. Fait que je me suis dit, comment on pourrait réduire notre consommation de papier au quotidien? Puis je me suis dit, qu'est-ce que tout le monde utilise tout le temps? Du papier de toilette. Mmh. Puis je me suis dit, ce serait quoi la meilleure façon de réduire drastiquement notre
consommation. J'ai fait des recherches. Certaines personnes disent un bidet. Ça, c'est, je trouve que c'est légitime. C'est le fun encore. C'est calissement plate. Puis si on n'est pas des Européens. Non, non, jamais essayé un bidet, mon chum. Mais il y a du papier réutilisable qui existe. Ça, c'est une idée pour les hosties communistes. Okay? Ouais, ben, puis, j'ai utilisé un bidet en Italie à un moment donné. C'était nice. Moi, je me pense. Ouais, je... vraiment une bonne flaque d'eau froide directement dans les fesses. En tout cas, je m'en reparle. Non, moi j'ai mieux que ça. Si je chie juste avant d'aller prendre ma douche, je me torche pas le cul, puis je fais juste me passer à la pomme de douche dans le crack. C'est idéal. Puis, t'as fait chauffer pendant que t'es en train de chier, fait que le jet d'eau est pas froid. C'est pas peu. T'as torché, ça? Moi, ben oui. Ça serait drôle que je fasse ça parce que nous autres, vu que Jasmine a les cheveux longs, fait qu'on a une espèce de truc qui ramasse, mettons, les. Fait que... genre les cheveux des affaires de même, fait que si tu me ferais ça, elle aurait juste des bouts de merde dans son fils. Oui, yes, tu devrais le faire puis pas y dire, sauf qu'elle écoute le podcast. Ouais mais savoir, une semaine avant qu'il sorte, okay. Fait que t'es bon. On est bon. Faut que tu le fasses mais cette semaine. Ça salut Jasmine. Efficace. Ça a l'air vraiment oui, non, ça marche. Mettons se frotter sur le rim du bain. Hein. Ouais. C'est vraiment ouais. plus. Ouais. Mais faut pas que tu chies dans le bain, Marco. Là. Faut que tu te laves dans le bain. C'est pas pareil. Là. Fais-moi pas une petite crotte sec dans le réservoir. C'est là. Tout le reste de la semaine. Si t'as juste le bord du bain. Là. Fuck, man. Là, tu rentres du travail. T'es stressé. Ça a d'un top. Il y a une drague d'un pied de lit. Un pouce de l'âge. On dirait. On dirait une. De Bloody Caesar. Oh. En fait, c'est juste une annonce typique de Monsieur Net quand il lave un bain, by the way. Là. C'est tout le temps brun de castille à chaque fois. Monsieur Net, c'est quoi son histoire? Excuse-moi, je suis en train de diverger de la. Ben, j'ai l'impression. On peut venir parce que j'ai fini dans une minute et demie. Okay. Écoutez, moi, je suis. Comment le noter ici, Monsieur Net? Monsieur Net, histoire. Non, on va en parler, Charles. C'est une bonne idée. Il fait juste souffler sur sa chandelle en le fixant. On va en parler, Charles. Non, on regarde ça, ça met de l'ambiance. Je trouve ben ça romantique. Ben oui, j'aime ça. Mais non, c'est ça. Je pensais comment qu'on peut réduire notre consommation de papier de toilette. Puis si tout le monde arrêtait de s'essuyer après une pisse avec du papier de toilette, si on faisait juste la shaker, on économiserait énormément de papier de toilette. Je me suis pas agréable. Il s'éponge le pénis avec ce que c'est. Nous autres, étant des gars, on n'a pas attends. Le choix. Oui. Mais pour être fair, femmes n'ont pas cette possibilité. Ouais. Non, je pensais que c'était pas au début, mais après ça que tu as dit au lieu de s'assouer. Ouais, mais c'était plus. Étant donné l'absence de cette option pour la moitié de la population mondiale. Mais pour être fair, c'était quelque chose de si gênant dans le sens. Non, mais. Pour être fair, avant. Si je le sais que je vais me faire sucer dans les prochaines minutes puis que je m'en vais pisser, je m'éponge le bout de la graine pour être là, sûr. Ça, c'est la courtoisie. Parce que là, je suis juste ça me tente. Non. Non, mais dans les prochaines minutes, tu fais pas juste l'éponger, là. Tu fais la bonne vieille technique queue lavabo. Ben oui. Plus rien. Queue lavabo. C'est un classique. Indémodable. Écoute. Uncle Ben. Mais non, écoute, pour revenir à ce que je disais, avant que Marco m'interrompe, si on avait 3,5 milliards de personnes qui, eux aussi, avaient la possibilité de se la secouer, ben on économiserait énormément de papier de toilette dans une journée, puis ça, par année, encore plus. J'ai passé ça dans la calculatrice de mon téléphone. Puis si on dit que chaque fille, chaque fois qu'on va pisser, utilise 3 carrés de papier de toilette pour s'essuyer en une... Si on dit qu'elle pisse à peu près 3 fois par jour, on parle de 9 carrés de papier de toilette par jour, en moyenne. Ouais. Dans un rouleau de papier de toilette, il y a environ 150 carrés en moyenne. C'est entre 140 et 160. J'ai fait une moyenne de tous les rouleaux qu'il y avait disponibles sur le marché mondial. Puis, sur le marché noir. Au Venezuela, c'est sur le dark web. Sur le dark web, ça va être du papier used. J'ai vu des affaires spéciales sur le dark web. Mais c'est toujours en paquet de 150 carrés, tout le temps. Oh, c'est okay. La mesure officielle. Fait que si on parle de 150 carrés par rouleau, si on économise environ 9 carrés par jour, on parle d'une économie de un rouleau de papier de toilette à toutes les 2 semaines environ. Donc, environ 24-25 rouleaux par année.
si on fait ça multiplié par le nombre de femmes qu'il y a dans le monde, donc 3,5 milliards, on arrive à environ 87 milliards 500 millions, si je ne me trompe plus. Je vais vous rechecker ça vite, vite. Ça serait très malade que la chose, ça soit deux. Ouais, c'est exactement ça. On sauve un an. Fait que 87 milliards de rouleaux de papier de toilette par année si les filles avaient moyen de se secouer à noun. Puis j'ai pensé au fait que si on pouvait donner des cours de twerk dans, genre, dans les écoles, les filles pourraient faire ça comme au-dessus de la toilette, genre. Comme ça pourrait genre faire la même job essentiellement. Fait que j'en suis venu à la conclusion que le fait qu'il y a un stigma autour du twerking dans la société, c'est une conspiration des compagnies de rouleaux de papier de toilette pour qu'on continue d'en acheter genre vraiment c'est, beaucoup c'est, par année. C'est comme c'est une belle conclusion. Non, mais les pétroliers avec les chars électriques. C'est exactement la même chose. Je pense que c'est même pire. Puis ils font clairement affaire avec les restaurants mexicains aussi. Il y avait genre, des affaires, ouais, besoin de te torcher pour toujours. Qui en veulent dans des sacs Ziploc. Ah. Oh, ils ont des parts dans ces rachats. Juste qu'ils sont comme « Amenez-moi! J'ai fait dans le cuir! » Envoyez-moi vos bossards. Dans les petites poupées chinoises, oui. Moi, ma question par rapport à ça, là, on skip les papiers et tout ça, là, mais le monde fucky qui achète des bobettes sur Internet, là, qu'est-ce qui m'empêche de moins porter des bobettes genre au gym, puis après ça, genre leur chipper, ils seront jamais. Moi, c'est mon rêve d'avoir une offre pour quelqu'un qui veut me porter mes sous-vêtements. Donne-moi 100 piastres, je vais les beurrer offre-les, pour toi. Offre-le sur genre fucking Craigslist, là, mais dis t'es une fille vraiment charmante dans la vingtaine qui étudie, je sais pas, là, en optométrie. Ouais, mais là, tu vas faire ça pour payer tes études. Ça doit suffire aux dudes qui décident de se faire venir des petites culottes à sniffer. Ouais, exactement. Tu genre être la promesse qui entre. Je peux pas être une fille. Tu prends un string, tu te l'attaches autour des couilles, tu vas courir pendant genre 5 km, tu reviens, ils sentent juste assez à la marde, tu mets ça dans une enveloppe, tu y chips, puis lui, genre, te paye, fucking paye 100$ en bitcoin. C'est pas le genre de fétichiste, genre connaisseur, genre que ça fait longtemps qu'ils sniffent des bobettes de femmes, pis sont capables genre, d'identifier l'odeur. Non, mais oui, non, mais je veux pas me faire passer pour une femme. Il y a sûrement quelqu'un qui aime ça sniffer des bobettes de gars, là, je peux pas croire. Ah, ouais, ça, c'est le truc de cul. Ouais, ils sont comme. Il y en a qui aiment ça sniffer des femmes. C'est vraiment malaisant. Non, je suis sûr que je peux avoir un marché. Je lâche l'humour, pis je vends mes bobettes au monde. Ben, j'ai des amis. L'un n'embête pas l'autre. Ouais. J'ai des amis de filles qui voulaient faire ça. Il y avait, une agence qui existait, en tout cas au Québec, là, ils voulaient potentiellement faire ça. Finalement, ils ont laissé tomber le projet. Attends, il y avait une assez grosse demande de sniffage de bobettes pour qu'il y ait une agence qu'il faut qu'ils aient pour gérer ce truc. J'appelle ça une agence parce que je connais pas pantoute le diagramme corporatif là, de cette patente-là. Là, mais en tout cas. Mais il y a quand même une organisation. Ouais, l'organisation, genre un gars qui a une base en comptabilité. Puis que genre il se les fait shipper pour comme établir un monopole du vendage de bobettes au Québec. Mais quand même, c'est quand même, tu sais, mais juste d'au-delà devient le Steve Jobs genre du sniffage de bobettes. Je pense que le Steve Jobs du vendage de bobettes il existe déjà, puis genre au Japon là, c'est sûr et certain. Ouais, sûrement. Il est pas ici. Je pense qu'eux sont gros là-dessus. Ouais. Bon, je vais apprendre à parler japonais. Ah, mais c'est dans quoi j'ai vu ça, c'était quelqu'un qui faisait un genre de documentaire. C'était quoi déjà, fuck? En tout cas, il se ramasse dans un sous-sol fucking louche. Puis genre, il sent. Ah oui, c'est dans Bruno, je pense. Peut-être que je me trompe. En tout cas, bref, il se ramasse dans un sous-sol fucking louche. Puis genre, il y a comme, deux messieurs qui sont là. Puis genre, ils ont un présentoir avec des bobettes accompagnés de la photo de la fille qui porte les bobettes. Puis il dit qu'il y a des gens qui ont des demandes par rapport à leur culotte. Ils sont comme, ouais, ben j'aimerais ça que tu te laves pas pendant une semaine, puis que tu portes les mêmes culottes, genre, pis tout ça, genre, tu sais, les demandes de même. Sûrement qu'il y en a qui veulent que je se chie dans les culottes. Dans une ligne plus propre, un peu, ça me fait penser, tantôt au métro Longueuil, quand je suis allé aux toilettes, il y avait un kiosque qui vendait des sous-vêtements et des cactus. C'était vraiment ça le kiosque, c'est genre de la lingerie au métro Longueuil, lingerie cactus. Des vrais cactus ou des cactus plastiques? Non, je pourrais pas dire, je pense que c'était des vrais. Mais je pense que c'était des vrais cactus. Parce ceux qui dansent avec les rayons du soleil, genre. Non, il y avait des cactus. J'aurais dû prendre une photo, pour vrai. Il doit y avoir un marché du cactus. Il doit y avoir plusieurs personnes qui ont fréquemment besoin de cactus dans les environs. Ouais, non, c'est ça, au métro. C'est sous-vêtements cactus. Je trouvais juste un mix weird.
de genre, ah oui, j'aurais besoin de bobette pour la route. Ah, un cactus. Ben oui. C'est deux trucs qui vont vraiment pas ensemble. Chris, ça remplit en plein les deux besoins que j'avais en ce moment. Bobette deux, et cactus. Mes deux urgences. Ce monsieur-là, il ouvre son magasin à chaque matin. Une autre journée à la boutique de bobette et cactus. Lui, il vit sa passion. Ah, comment ça s'est passé aujourd'hui à l'usine? On dirait une mauvaise émission d'émission pour un mauvais épisode d'émission pour enfants, genre où est-ce qu'il y a Monsieur Mandarine, monsieur, le caissier du magasin de bobettes et cactus. Je l'imaginais animé par Hayao Miyazaki, mais c'est vraiment comme genre que ce soit. Là. Oui, comme dans Bienvenue à Pleasantville, genre. Ah ouais. 50 en noir et blanc. Ouais, puis super content tout le monde. Toi, JF, c'est quoi ta version? Moi, c'est genre Bernabé. Je t'ai dit, un cactus par sous-vêtement, t'as bien compris. Qu'est-ce que t'as foutu? T'as seulement vendu des bobettes. Ouais, mais elle avait pas besoin de cactus, monsieur. Je vais te montrer comment vendre des cactus! Papa! Ce jour-là, ironiquement, je fus battu à coups de cactus. En narration, là, il y a un flash forward où il est en train de mettre une camisole par-dessus ses cicatrices de cactus en s'entraînant en prison. Là. Mesdames et messieurs, l'histoire de Georges Larac. Oh, ouais. Bon. Pourquoi on est parti pour s'en rendre compte? Qu'est-ce que. Pourquoi t'as tué le gag? Qui a tué le gag? Tu parlais de l'heure, tantôt, touché que tu l'as écouté et l'as tué. De quoi? The Dirt, la fois de Motley Crue, l'avez-vous vu? Non, mais j'ai vu le preview, là, genre, ouais. Jeté un coup d'œil. Moi, j'avais regardé le 30 secondes qui passait sur Netflix en bande. Ouais. Ouais. Pour moi, je l'ai vu, je l'ai trouvé malade comme film. Ouais. C'est à la fois une comédie, fucking drôle, puis un esti de drame. Puis j'ai lu un article, ça, c'est pas dans le film, apparemment, mais c'est sur Ozzy Osbourne, qui a amené, apparemment, quand ils ont fait leur tour ensemble, c'était Ozzy qui amenait Motley Crue en tournée. C'est dans le film, by the way. Ouais, non. Pas ce bout-là. Ah, Tu le vois un peu, mais c'est okay. Non. Ok, c'est bon. C'est le manager de Ozzy, il avait dit à Tommy Lee, là, il y a fuck off. Hein. Moi, je t'écœuré d'Ozzy, tu t'en occupes pour la soirée, j'ai besoin d'une pause. Puis là, Tommy Lee s'en occupe un peu, puis à la fin de la soirée, il était dans l'ascenseur vers la chambre, puis là, Ozzy Osbourne a commencé à chier dans l'ascenseur. Non. Hardcore. Puis là, il a traîné Tommy Lee dans sa chambre pour qu'il regarde lui qui fasse un œuvre d'art avec son caca. Puis il est comme, non, reste dans ma chambre, puis là, il était comme, ah ouais, puis il faisait une œuvre d'art comme ça. Ouais, c'est genre. Puis dans cette entrevue-là, les doutes de Motley Crue disent, honnêtement, on a vraiment beaucoup de respect pour Ozzy Osbourne, puis on va être reconnaissant qu'il nous ait amené en tournée, mais on a tout le temps eu un peu peur de lui. C'est même le même dude que plus tôt dans la journée, parce que tu le vois dans le film, mais c'est une scène réelle, c'est une reconstruction, ok? Genre, Ozzy veut prouver à Motley Crue qu'ils sont pas si hot que ça, puis que lui c'est un OG, fait que lui il fait comme, ah ouais, il voulait être trash, fait que là il voit des fourmis sur le bord de la piscine. Tu t'en vas spoiler le film un peu, C'est des fourmis venimeuses, genre, ou je sais pas trop, en tout cas, c'est des fourmis quelque chose comme ça. Ouais. Fait que lui, il se crisse à terre, puis il commence à sniffer les fourmis. Après ça, il pisse à terre, puis il commence à boire sa pisse. Puis après ça, il y a Tommy Lee qui se lève, fait comme, ah oui, moi avec, je suis capable. Là, il pisse à terre. Tommy Lee commence à boire sa pisse, non, lui, il avec. Pour le bro, puis... Non, puis l'autre, le pousse, puis il se couche. Ouais. Il pousse, puis il commence à boire la pisse de Tommy Lee aussi, genre. C'est rock'n'roll. Oh, c'est un assez bon film. Moi, je l'ai vu quatre fois cette semaine. Hein? C'est quoi, quatre fois? Moi, je l'ai bien aimé aussi. Non, mais ça, c'est le bout le plus weird du film. Non, il y a plusieurs bouts weird. Fucked up again. Ouais, mais pour. Stick, je suis pas là. C'est bon. Je suis malade. Je vais probablement devenir fou dans une vingtaine d'années. Ça me fait penser dans Grown Up, genre, tu sais, qu'ils font une espèce de descente de cascade, genre, puis le gars, il arrive juste, puis fait, ouais, fais les jambes accrochées, puis tout, parce que c'est comme si les deux. Les deux, c'est comme, mettons, des vieux amis, genre, il y a comme une couple de personnes, puis là, ils se challenge en descendant. Puis le gars, il fait comme juste, ben, je descendrai pas demain, ça va être dangereux. Il fait, non, t'es un animal! Puis le gars, ouais, je suis un animal! Puis genre, on juge ça, mais selon les circonstances, on serait tous capables d'être aussi stupides que ça. Ben, non, selon je pense pas que je me rendrais à boire ma pisse. Non, pas nécessairement à boire la pisse, mais des trucs ben, aussi stupides que juste avec le don de, oh, let's go aussi, on le fait. Moi, j'ai déjà mangé ma marde. Ouais, mais
Je sais pas, peut-être plus jeune, mais en vieillissant, j'ai moins vu. pas besoin de faire ça. Pas besoin de prouver quoi que ce soit à Ozzy Osbourne. Ça pas bien allé. Mais apparemment, lui, moi, je serais quelqu'un qui a semi travaillé avec. Là, il travaillait genre comme Richard sur un des shows. Mais apparemment, c'est un vieux sénile, Ozzy, maintenant. Genre, il tient sur scène juste parce qu'il est médicamenté. Dans sa série, il y a très longtemps. Ouais. Ça, il était hardcore dans drogue à ce poil de la bête. Apparemment, un de ses trips, ça, c'est vraiment grave. Il aime ça pour faire des sauts au monde. Il se promène dans la rue, puis il y a juste quelqu'un qui fait ah! Il s'en va en riant, il est comme ah! On dirait un farfadet, genre. C'est vraiment le pire, Ozzy, ça n'a pas de sens. C'était pas dans la série, là, mais j'ai entendu dire que c'était sa femme qui le gardait gelé en permanence pendant le filmage de cette série-là. Fait que c'est pour ça qu'il est tout le temps assis avec les caméras. Imagine, là, t'as une équipe de tournage qui te suit en permanence chez vous, là. T'es dans ta maison, puis t'es gelé Ozzy comme une balle. T'as déjà plus beaucoup de cellules parce que t'es Ozzy Osbourne, puis tu comprends encore plus rien. Imagine comment c'est genre un bad trip c'est permanent. C'est Sharon qui le gardait drugged up constamment pendant la série. Ben oui, parce que c'était le même qui faisait genre de l'argent. Sur quoi? Je sais pas, c'est tout, est Xanax, mais mec, ça devait être genre des drogues légales, genre juste une grosse médicamentation forte, violente. C'est pour ça qu'il... Ouais. Parce que dans The Osbourne, je le rappelle, il y a très longtemps... C'était en quelle année? Ozzy est incohérent, là, la plupart du temps. Ben oui, ben oui, il est plus là. Quand il parle, il était clairement... C'était pas de l'héroïne, ça devait être un opiacé fucking fort. Écoute, man. Je pense que ça avait commencé que... Il avait fallu qu'ils prennent ça à cause, genre, pour des raisons médicales, mais comme fucking l'entièreté de la population américaine, en fait, sont tombés, genre, accros à force d'en prendre, genre. Ouais, mais tu sais, il y avait déjà des problèmes de drogue en partant. Il y avait déjà des problèmes de drogue en partant. Il a violé sa fille. Non, c'est pas vrai. Oui. Papa, donc, je voulais brasser les cartes. Je voulais recréer un autre jeu. C'est une bonne intervention. Je voulais rebrasser le jeu, là. On part une nouvelle partie. Let's go. Je m'excuse, ça a vraiment marché. Je continue sur Motley Crue un peu parce que moi, j'ai lu après sur eux autres après avoir écouté le film. Puis ça me surprenait, ils sont encore vivants. Les dos ont fait, les dos ont fourré des filles dans le temps, c'était le sida, pas de protection. Ils ont fait de la coke, de l'héroïne, ils buvaient genre de l'alcool pour 8 fois qu'est-ce qu'ils gagnaient. Puis il y en a aucun qui est mort. En fait, il y en a un qui est mort 2 fois, puis ça l'a même pas tué, Il est mort cliniquement, puis ils l'ont réanimé. Ils l'ont annoncé aux nouvelles. Nicky Six, ils l'ont annoncé aux nouvelles qu'il était mort, puis finalement, il est revenu à la vie. C'est quand même malade. C'est des expériences. Le seul d'autre du band qui est mort, il est encore vivant. Exact. J'ai un ami qui avait lu The Dirt. Dans le fond, The Dirt, c'est comme. C'est ce qu'ils ont fait pour le film, mais c'est une biographie que le bassiste avait écrit, dans le fond, Nicky Six. Ça a l'air que, dans le fond, il a fait comme un overdose d'héroïne à la sortie de l'album Girls, Girls, Girls. C'est dans un bar. Il a fait un overdose d'héroïne. Il est parti en ambulance. Ils l'ont réanimé, genre, dans l'ambulance. Il s'est comme sauvé de la chambre d'hôpital, il est retourné dans le bar, puis il a refait une autre overdose d'héroïne dans la même soirée. Rendu là, tu veux mourir, là, on s'entend. Un esti de génie, ça. Clairement, il veut. Il y avait de la peine, il disait dans le film. Fait que là, ils l'ont sauvé 2 fois de suite. Imagine-toi, grosse soirée, grosse veille. Imagine-toi les ambulanciers qui le voient rentrer dans l'ambulance, sont comme ah, dude, come on! Encore! Ils reçoivent un call à la même place. Là. Ils viennent de finir de cleaner l'ambulance, là, parce que je veux pas quand t'as une intervention d'ambulance, tu crisses la marde dans genre. Le style de. Là, le gars, il est censé être dans la chambre d'hôpital. Non, c'est pas le même dude. La tête est ouverte avec les rideaux. C'est la bonne vieille technique de mettre l'oreiller dans le. Il était attaché. Salut! Il y avait-tu un petit bandeau noir qui couvrait ses yeux en descendant, genre? Chacun de ses pas faisait une note de piano. La grosseur de ses cernes était assez pour déguiser son identité, probablement. Aller faire une overdose d'héroïne. T'as-tu une estime d'impression de déjà vu quand tu rentres dans le même bar une deuxième fois pour un overdose? Avec la jaquette, dans ta deuxième avec overdose. Le même gars, genre. Il s'est sauvé, il va avoir sa jaquette d'hôpital, style. Sûrement pas, là, il doit l'avoir shooté. Écoute. Pour plus tard de déshabiller. Je sais pas, mais bref, il y a quand même quelqu'un qui a dit, genre, ah bon, enfin, Chris, Nicky Six s'est sauvé, c'est chill.
fuck! Il est rendu où, tabarnak? Hey, ah, une overdose déclarée au bar. Non, mais imagine-toi dans le bar, il voit, genre, il part, il est mort, il revient, c'est comme, ouais! On prend des shots! Non, tu sais, c'est comme... ça doit être. C'est une montagne d'émotions. Bon, oui, c'est comme là, Chris Nicky, tabarnak. C'est sûrement fait déjà arrivé à Christopher Williams. Sûrement. Ça a fait un verre. Sûrement. Sûrement. J'imagine. Faudrait lui demander. Faudrait lui demander. Spéculer sur sa consommation. C'est pas déjà arrivé à Christopher Williams. 100% de chance. Ça, c'est un peu vers toi, Charles. Le plus proche de Motley Crue au Québec, c'est Christo. OK, ouais, fair enough. OK, ouais. Sinon, Jean Louis. Mais non, mais Jean Louis était plus avant de faire de la musique. Là. Sinon, après ça, c'était des raps soft, là, quand même. T'as Éric Lapointe, mais Éric Lapointe, il est juste... Ouais, mais c'était... Tu sais, il prenait de l'héros avant de commencer, avant qu'on le connaisse comme Jean Louis. Ouais, mais quand même, là, quand... Mais, ouais, mais je trouve qu'il dérape moins publiquement, genre. OK, ouais. C'est un Éric Lapointe qui est un peu fucked up. Éric Lapointe, c'est devenu un spectacle. Hein. C'est, c'est une attraction aux autres. Il utilise genre son alcoolisme pour vendre des albums à ce stade-ci. Ouais, il y a un peu de ça. Moi, je l'avais déjà croisé au West Shepherd d'Éric Lapointe. C'était, tu sais, déjà, on n'a plus le droit de fumer ses terrasses. Puis exactement. Là, la terrasse était fermée de un, puis t'avais plus le droit, puis il a juste enjambé la chaîne, les pieds sur la table, en fumant sa cigarette. T'as le barman qui dit ouais, mais la terrasse est fermée, t'as pas le droit d'être là, genre, c'est pour avoir d'avant, puis il est comme. Je suis Éric Lapointe. J'ai le droit de fumer partout. La police me connaît. Il était comme genre, ah, fuck it. Right. Non, mais t'as rien à dire. Le pire, c'est qu'il gagne son point pareil. Ah ouais, il commence. Envoie une ticket à mon agent. Avec autant de confiance, c'est que ça a marché plusieurs fois dans le passé. On est socialement, genre. Conditionné. Non, faut que je trouve gelé. C'est pour me dire. Ben voyons, t'as pas Ouais, la drogue, hein. Ouais, on t'appelait Ozzy. Est-ce que t'allais dire on est socialement conditionné à obéir à Éric Lapointe? Non. Ça s'enligne avec quelque chose du genre. Mais je sais que c'est... En fait, on est... Non, je veux juste faire sa faute à tout le monde si c'est une merde. Ah, ça, c'est drôle en tant que c'est comme un... un réflexe pavlovien. Ça fait mal, mais... Éric. Tabarnak. Oh, bien. Un bois de la pizza. Oui. Le resto est fermé. Tu défonces la vite. Non, c'est Éric Lapointe, tabarnak. Éric Lapointe, il se fait des frites dans le friteur. Il allume toutes les fours, restu. Non, non, vous comprenez pas. Je suis Éric Lapointe. Tout le monde dit jaune qui était ici. T'essayes d'appeler la police, ton téléphone marche plus. Il a arrêté d'avoir du réseau parce qu'Éric Lapointe est là. Le numéro que vous avez essayé de composer n'est pas Éric Lapointe. Grand Dieu, il contrôle le téléphone aussi. Il a coupé l'électricité. Il faut trouver. Il est dans la maison. Le voilà. Non, il y a une. Je vais juste penser par. Est-ce qu'un qui veut de la poudre? Non! Cacher les enfants! Ouais, sinon. Dans un cinéma près de chez vous, là. Un moment donné. Ouais, sinon, fait quoi, c'est quoi? C'est bien parfait. Mais on peut rester dans ce vibe-là. Sinon, je peux poser des questions plus at large, puis on fait une dodge. Mais non, je t'en prie, fais ce que tu veux. Pose des questions qu'on va éviter de répondre. Ouais, mais ça, je me demandais, on en parlait un peu tantôt. Comment tu trouves ça, mettons, le switch, mettons, de maintenant être obligé d'être actif sur les réseaux sociaux tout le temps, genre pour. Pour promouvoir mes patentes. Ouais, excuse-moi, je m'exprime. C'est rushant, j'ai de la misère. Ouais. J'ai de la misère avec les réseaux sociaux. C'est pas. Je pense que je suis devenu trop vieux pour que ça crée de la dopamine chez moi d'avoir des likes. Fait que. je sais qu'il faut que je le fasse pour la publicité, puis c'est important de le faire. Mais j'essaie de me partir un Instagram là, au début janvier, là, puis j'ai fait une couple de stories. Right, mais c'est pas motivant, Colin. Je sais pas. Je pense pas que c'est une affaire de trop vieux, par exemple. Non. Parce que pas. Moi, je l'ai zéro non plus. T'sais, moi, c'est pas là-dedans que je suis bon. Moi, je vais être bon sur la scène pour faire mes trucs. Là. Après ça, pour réussir à prendre ma vie en photo tout le temps, la poster, j'ai pas ça en quelqu'un moi. Quelqu'un qui le fait à ma place. Ouais. Mais, en même temps, ça nécessite un cachet aussi sur scène. C'est comme affaire. Ouais.
Ouais, c'est clair. Si je le pouvais, là, si j'avais ma première... Okay, mettons que du jour au lendemain, là, ma carrière allait super bien puis que je pouvais devenir un petit peu excentrique parce que ça va vraiment bien. Là. Devenir un Rick Lapointe, un peu. Rick Lapointe! Parce que je te verrais pas Rick Lapointe. T'envahirais des maisons. Tu vas venir me voir pour me contrôler. Tu vas donner le l'air d'avoir Pokémon. Beaucoup d'influence. T'es le Slenderman. T'aimerais-tu savoir des likes, chum? La première chose qu'on apprend, il y a toi qui casses une bière dans un bar qui va t'inquiéter chez ses chiens. J'ai pensé à Eric Lapointe à un moment donné. Mon Dieu, tout ça sent. Venez-vous-en, bicoline, tabarnak. Ouais, bref, les réseaux sociaux, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Ouais. Ben, tu sais, ça. Si j'adorais la transition. En bref, j'essaye, ma page Facebook, c'est le meilleur moyen d'avoir toutes mes affaires. Puis je pense que c'est le médium que je comprends. Puis de façon la plus instinctive, le reste, il faut que je me force le cul, puis que je m'assoie avec du monde qui connaît ça, puis j'ai l'air vieux, je plisse les yeux en regardant mon téléphone. Fait que là, les gens ont du plaisir à voir une story, là, les gens aiment ça. Là, c'est n'importe quoi, regarde, lui, il me montre dans 12 secondes de... Tu connais du monde qui regarde les stories? Parce que moi, les stories, je vois dans ma bande en haut. Jamais j'ai envie de cliquer sur une story. C'est rare. Jamais. C'est rarement intéressant. Je m'en branle de vos excuses. Ben, c'est des correct. Bonnes stories, mais j'ai l'impression que je m'en crisse. Mais vous pensez quoi des lives? Tu sais, les histoires de OK, tout le monde m'écrit. Ça, c'est nice. Ouais, t'aimes ça? Ben, dans le sens, bien exploité, ça peut créer un bon spectacle puis une bonne façon de se promouvoir. Ouais. Parce que ça crée un contact direct entre toi et ton auditoire. Puis pour le Hate Watch, genre Occupation Double, il n'y a jamais eu autant de lives que pendant Occupation Double. Tout le monde faisait des lives de Hate Watch, de cette affaire-là. Je sais pas de quoi on parle. Non, mais tu sais, ouais, moi je trouve qu'un live, ça peut être cool si tu mélanges un. Qu'est-ce que tu veux dire? Du Hate Watch, écouter quelque chose pour détester. Ok. Je comprends. Je pensais que tu disais. Il y avait des forums de discussion, ben, genre ils se parlaient tous pendant que. Genre deux personnes assises qui font un live d'eux autres. Ah oui, mais il y a tous qui ont fait ça. Qui blastent l'Occupation Double. Du Hate Watch. L'Occupation Double. Ouais, ok, je comprends ce que tu veux dire. C'était populaire et ça, c'est le live, c'était idéal pour ces affaires-là. Ouais, j'avoue. Ouais, non, ce format peut-être un peu. Là, mais en même temps, t'en as-tu écouté du Hate Watch? Regarder du monde pas aimer quelque chose que toi t'aimes pas à la base? Non, je l'ai pas écouté, mais je sais que ça existait. Ok. Moi, j'essaie tout le temps d'écrire quelque chose que moi j'écouterais. Fait que quand on parle d'un truc comme ça, j'ai de la misère à me voir le faire. Hein. Je sais pas si c'est clair. Je comprends rien, pas en tout, calice. Tu peux l'écouter comme t'écoutes un podcast en faisant autre chose. C'est quelque chose que tu peux écouter genre à long terme. T'écoutes pas nécessairement Occupation Double. T'écoutes genre deux humoristes que t'aimes bien blaster une émission. Ça fait du sens. Il y a tellement de matériel, là. C'est rare que c'est pas un peu drôle. C'est sûr. Ouais, non, c'est clair. C'est comme si on décidait de nous autres de genre s'assurer suffisamment de faire un épisode où on blaste un film de merde, genre. À peu près, qu'est-ce qu'on fait avec le casque? C'est surprenant qu'on fait ça, parce que ce serait... Moi, j'écouterais ça. Deux personnes qui font du rip-watch sur un film. Mais s'il y a des jump cuts, genre, mettons, parce que j'imagine que tu l'écoutes au complet, genre, ça tu l'écoutes au complet, tu gardes... Teignez-moi cette caméra! Non, mais tu écoutes le film, tu fais des commentaires par-dessus, puis tu fais un montage des meilleures affaires. Écoute, quelqu'un serait... vraiment brillant de faire ça. toi, tu ferais ça, tu le ferais sur quel film, mettons? La trilogie du Hobbit, en commençant. Ah oui? Ouais, man. Tout le monde déteste ces films-là et moi, je les adore à la folie. Ah oui, oui. OK, fait que tu ferais du Love Watch, mettons? Non, parce que je les aime, mais je sais pourquoi tout le monde les déteste et c'est très évident. Je les aime parce que j'aime le kitsch de ces films-là. Ils ont violé la magie du Seigneur des Anneaux, là. C'est ça qui est arrivé. Ben oui, c'est devenu ben commercial, mettons. Ils n'ont pas capturé le même vibe, mettons. Je te file, moi, ça me fait ça avec les Star Wars. Mettons, je sais qu'il y a bien du monde qui bâche sur les nouveaux qu'ils font, mais genre, c'est à peu près le même feeling. Moi, je les aime, les nouveaux. Toi, tu les adores, en fait. Ça va peut-être devenir niché Star Wars, mais c'était quoi déjà ta théorie sur Snoke, qui est comme une projection comme Luke? Si on est parlé de ça en allant à Québec. Oh shit. Ah ouais, je veux savoir non, ça. Grosse par parenthèse de nerds. Est-ce que vous avez vu The Last Jedi, le dernier Star Wars? Ouais. OK. Moi, je pense que Snoke, le méchant, le papy épeurant, qui est le nouvel empereur Palpatine, là,
Je suis persuadé qu'il n'est pas vraiment mort et que c'est lui aussi, c'était une projection astrale qui était à une autre place. Comme Luc, là. Mais lui, il est capable, il est tellement puissant qu'il est capable de garder, genre, son cadavre continue à exister par la suite. Après la projection. C'est ça, là. Je suis dans un bol. Moi, je pense qu'il te rappelle Snoke dans l'épisode 3. Genre un hologramme? Non, le ramène. Non, mais comme Luke à la fin, tu sais, que la dernière fois, il s'est pogné par Kylo, puis. Ok, même pas que c'était un hologramme, ok, ouais. Un hologramme de force, là. Ouais. Si c'est ça, je pisse sur ma blonde, puis je m'éponge le bout avec un Kleenex. C'est pas écologique. Je pensais pas que cette twist podcast allait s'en aller, là. Je rebrasse les cartes une fois de temps en temps. C'est ça que je fais, moi. Et voilà. Prochain tableau. Mais c'est quel le prochain de Star Wars qui sort? C'est-tu genre épisode 9? Le dernier de la nouvelle trilogie. Puis après ça, il y a une espèce de série The Mandalorian. Ouais, il y a ceux qui s'en viennent. Il me saigne le cul en esti avec ça. De quoi ça? Il te saigne le cul? Il me saigne le cul. Parle en langage des signes à ton cul. Ils me font saigner les fesses parce que. Comment ça? Moi, je suis excité. Parce que ça fait longtemps. Ça fait... Okay. Tu sais que tellement de tenues. Ah ouais. Il me saigne le cul. Ça me fait penser à la fin du cul bordé. Nouille, genre, qui est comme le sein qui. C'est un autre. Tout le monde tripe sur Boba Fett. Ouais. Tout le monde adore Boba Fett. Ouais. Il est là 12 secondes dans les vieux films. Star Wars épisode 2. George Lucas est en train de faire sa nouvelle trilogie, l'épisode 2. Là. Ah, ouais. T'as besoin d'un personnage qui est une espèce de Boba Fett. Ce serait logique. On est quoi, 18 ans avant la vieille trilogie, Boba Fett pourrait être un dude dans sa quarantaine, dans sa cinquantaine, mais quand même un vieux badass dans Empire Strikes Back, mettons. Ça aurait très bien pu être Boba Fett dans l'épisode 2. Non, faut que ce soit son père. Jango Fett, qui est exactement la même estie d'affaires que Boba Fett. Pratiquement le même saut. La même calice d'affaires, mais c'est pas Boba Fett. Non, Boba Fett, c'est un kid. Puis ils font que tu vois sa face en dessous maintenant, là, le mystère de Boba Fett. Le man with no name de l'espace est ruiné pour toujours. Maintenant, je sais que Boba Fett, c'est un Maori en dessous de son casque. Non, essentiellement. Puis tu sais qu'adulte, théoriquement, il est supposé avoir la même face que Jango Fett parce que c'est un clone lui aussi. Fait que tu sais qu'il a la même face que tous les autres clones que tu as vus dans l'épisode 2 puis 3. Voilà. Fait que tu sais essentiellement de quoi Boba Fett a l'air. Fait que là, après ça, genre, personnage est brisé. Mais ton côté mystérieux. Attends, puis là, c'est ça, là, ils te refont, là, après ça. The Mandalorian. The Mandalorian, je dis, yes, OK, peut-être une série sur le vieux Boba Fett ou... Boba Fett, son âge d'or, blablabla, Boba Fett. Oh ouais. Non, un autre Mandalorian qui est exactement la même style d'affaire que Boba Fett. Un autre c'est pas Boba Fett. Le pire, on sait pas quand le style-là, à part que son armure est cool. Genre. Ouais. Pourquoi ils veulent jamais l'utiliser? Qu'est-ce qu'il a fait? La même chose que Jar Jar Binks. C'est vraiment sur un gros build-up. C'est un incident majeur au truc. C'est pas ça, Boba Fett, man. Non. J'ai pas mérité ça, là. C'était vraiment pour ta trigger league. Crache pas sur sa mémoire. C'est pas juste cracher, je pense que c'est chier au complet, sa mémoire. Ouais, tu chantes tout ton nom. Moi, j'étais fan de Jar Jar Binks, par exemple. C'est un mon gars. C'est Michel Courtemanche qui l'a créé avec George Lucas. Moi, je trouve ça hot. C'est pas Michel Courtemanche qui a créé Jar Jar Binks. C'était supposé être lui qui le jouait, mais la technologie était faite pour un autre de 6 pieds puis il était trop petit. Fait que Jar Jar Binks, ça aurait pu être Michel Courtemanche. Ça aurait été malade, tu vois. Surtout que dans ce temps-là, il était en dépression. Fait que ça aurait vraiment aidé à jouer le personnage le plus détesté de Star Wars. Imagine, tu joues dans un film, puis genre, la moitié de la population mondiale essaie de chier sur toi. Mais honnêtement, j'ai espoir que si c'était Courtemanche qui l'avait fait, Jar Jar Binks, ça aurait pu être vraiment attachant, puis un bon comic release pour le monde. Mais ça, c'est vraiment un espoir, puis même le petit fan de Courtemanche qui parle. Là, il pense CGI. Hein? Il pense CGI. Mais c'est un dude qui a un saut. Ouais, mais il y a un gars qui a l'animation. Mais il y a la capture de mouvement. Ouais, comme technologie. Jabba aussi, c'est le même. Qui ont gâché le personnage. Non, mais c'est parce que George Lucas était fan de Michel Courtemanche, au niveau de son mime et tout ça. Puis il voulait créer un personnage comme Jar Jar Binks qui était un peu inspiré du cartoon qu'il y avait de Courtemanche. Okay. Fait que c'est lui qui a aidé à créer le personnage et tout ça.
Puis c'était supposé être lui qui le jouait, mais la technologie de ce moment-là le permettait pas pour une raison. Il était trop petit. Non, mais c'est vraiment ça la raison. Mais c'était en 2001. Ouais, ouais, il était trop petit pour jouer le personnage. Ça marchait pas. Genre, à l'écran, je pense que ça avait l'air de quelque chose d'horrible. Fait que ça s'affûtait juste pas. Puis, mais il a participé à la création, l'élément cartoon, mais c'était pas lui qui le jouait finalement. OK. Tu rêvais de Best et ça a ruiné sa carrière. C'est qui faisait Jabba? Jabba, c'est trois marionnettistes. Ouais. Oh, damn. Dans Return of the Jedi, il ouais. y a un schéma sur Internet. Une marionnette, une marionnette. Un dude qui fait le bras gauche, un dude qui fait le bras droit, un gars en arrière qui est le marionnettiste de la pour tête. Pour la face. Oui, c'est vrai, Ouais, ouais. Puis il y a quelqu'un qui fait bouger la queue aussi à l'autre bout dans les plans, qui est comme vraiment gros. Genre quatre marionnettistes. Allez sur Google, pour vrai, il y a un graphique de comment les marionnettistes sont disposés dans Jabba the Hutt. Ouais, c'est vraiment intéressant. C'est comme lui, puis son espèce de siège puis le stage sur lequel il est. Une grosse c'est genre pompette. Tout comme ouvert en dedans. Fait que sont comme trois personnes en dedans de toute cette affaire-là. Fait que c'est fucking intense. Y a-tu de quoi de plus charmant, je m'excuse, que la marionnette de Jabba the Hutt dans Return of the Jedi? Moi, je me suis dit, believable, ce personnage-là. C'est de même qu'ils ont réussi à faire des affaires comme qui marquaient. Il est beaucoup plus beau que depuis qu'il est devenu un gros tas de vomi CGI. Ouais. Ça, c'est dans le premier, c'est dans le 4, ça. Okay, ils ont fait ça. Ils ont gardé l'original marionnette dans le... C'était vraiment un gars qui se déplaçait. Moi, j'avais vu quand il y a 1997, les Special Editions. J'avais eu ça. Fait que tu voyais au début les... C'était un gros acteur avec un manteau de fourrure sur lequel ils ont mis Jabba en CG, mais le vieux CG 1997, il est dégueulasse. Après ça, pour la réédition DVD, ils ont refait un autre Jabba par-dessus pour corriger Ça, c'était pour le remaster. C'était pas... OK, fait que dans le fond, j'avais pas le vieux Jabba. J'ai jamais vu le vieux Jabba. Celui qu'ils ont refait par-dessus le Jabba dégueulasse et... Il est pas vraiment plus beau, en fait. Il est encore dégueulasse. La version marionnette qui est malade, genre. C'est ça. Fait que toi, dans les Star Wars, que t'écoutais, à la fin, tu voyais comme un jeune Anakin, dans le fond. Ah oui, moi j'ai pas le film. Attends, celle-là, moi j'ai la vieille version, que c'est genre le Vader. Là. Les Ewoks clignent des yeux. Ils ont rajouté c'est le vieux Anakin qu'on avait, en fait. C'était le vieux. Non, mais c'est une version, c'est comme l'Anakin du 3, genre l'épisode 3. Dans la version, version, c'est Darth Vader. Oui, je l'ai en VHS. Moi aussi, c'est ça que j'avais. Hein. Parce que quand je l'ai revu, puis qu'à la fin, c'est Anakin, mais le jeune, genre dans le 3, j'ai été insulté même. Comme, non. Alors, on va chier, là. On vient de le voir, Darth Vader. Il vient de mourir la scène d'avant, genre. C'est plusieurs années après le 3. Il a mis sa face pour la première fois, puis là, il l'enlève. On pourrait dire qu'il y en a qui... En tout cas, certains théoriseraient que c'est Darth Vader qui a décidé de se manifester à l'époque où il était à son prime, où il était... Ouais, avant mais pourquoi est-ce que Obi-Wan, ils l'ont pas fait aussi? Bon. Pourquoi que Yoda, il fait pas, genre... Pourquoi est-ce que Yoda, il apparaît pas, genre, à 400 ans? Parce que son prime était quand même là. C'est parce que lui, il a particulé de l'autre côté de la force. Le prime d'Obi-Wan. Le prime de Obi-Wan Kenobi était pas au moment où il faisait le combat d'épée, genre... Ben oui, c'était là. Parce qu'il se fait tuer, puis il disparaît. En fait, c'est... Il aurait jamais été capable de faire ça avant. Ils sont tellement bons que le combat est simplifié. I do. Ben oui, parce que t'as pas besoin. Parce qu'il anticipe tellement les coups de l'autre. T'as pas besoin de faire des backflips quand tu sais comment pour garder quelqu'un. Continuons à nous dire ça, que c'est pas juste une mauvaise chorégraphie des années 70. Ben oui. Mais je pense que c'est juste parce qu'il était... C'est genre leur représentation, mais quand ils sont du bon côté de la force, parce que probablement que si c'est des Sith, ils peuvent pas réussir à faire ça, genre. Yo, Anakin Christensen, ben moi, je suis d'accord avec toi. Genre de Jedi, là. Il était plus du bon côté de la force. Oui, non, je sais, mais... Il a massacré des enfants. Mais la représentation d'Anakin... Anakin dans les anciennes versions, c'était comme un Anakin relax avec une torche. Tu sais, le bon gars. Là. J'aime mieux l'ancienne version. Clairement. Quand il décide de sauver Luke, techniquement, il revient du bon côté. Là, en lançant l'empereur, il fait genre... Ouais. Puis là, tu vois, en fait, ce qui est cool, c'est que tu vois ce qui se cachait en dessous. Techniquement, il est démembré. Techniquement, il est démembré, mais là, c'est comme s'il était comme tout remis à neuf, mais vraiment comme il était dans le sous. Les sourcils, puis celle sans les sourcils. Ah ben, celle sans les sourcils, bien meilleure. J'ai pas vu sans les sourcils. Je me rappelle quand il enlève le casque, par exemple. Là, il est... Ah non, il est...
C'est ça. Non, y a, quand tu enlèves le casque de Darth Vader, il y a la vieille édition où l'acteur a ses sourcils. Puis là, George Lucas, là, avant de faire la version DVD, non, puis de faire cligner les yeux des Ewoks, puis de rajouter... Ouais, c'est Bulba dans le 1, là, vous vous souvenez? Le pilote de marde. Oui, c'est là que le méchant. Gachuba! Ouais. Bon, tu l'as vraiment bien. Tu l'as vraiment nailé, pour vrai, je suis impressionné. Il est dans le palais de Jabba. Ils l'ont amené. Ils l'ont eu une scène. Là, il fait juste passer devant la caméra en vieux CG malaisant, mal blendé. Oh non. Puis ils ont enlevé les sourcils de Darth Vader. Pourquoi? Parce que techniquement, ils ont il est brûlé. Il n'y a pas de cheveux parce qu'il est brûlé. Il n'y a pas de sourcils non plus. Détail qu'on se compte. Exactement. Darth Vader ne devrait pas avoir de sourcils. Ouais, il a vu le film et fait non, ça se tient pas, ce bout-là. J'avais ça, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'avais lu, me semble, quelque part, que l'acteur qui est là quand on enlève le masque, c'est pas le même acteur que quand on voit Darth Vader tout le long avec le saut. C'est pas le même gars, puis c'est pas celui qui fait sa voix non plus. Oui. C'est malade. Fait qu'il y a trois personnes différentes. Ça crée de la job dans le show business. Dude, je sais pas. Mais je pense que le gars qui faisait la voix à base, c'est James Earl Jones. Qui a fait Mufasa dans Le Roi Lion. Exactement ça. Oh, exactement ça. Je suis content que Mufasa soit mort, finalement. C'est encore lui qui va refaire Mufasa dans la version. Ça, c'est badass. Prop sa chose. Mais ouais, non, ils ont trois gars différents pour faire tout ça. Fait que quand le style grand gars dans le suit tournait les scènes, il était en crise que ce soit pas sa voix qui allait être utilisée. Fait qu'il disait même pas les bonnes lignes au monde. Genre, mettons sa ligne, c'est supposé d'être genre attaquons la base rebelle. Il disait genre oh, je suis fatigué, j'ai faim en crise. Fallait que le monde qui joue lui réponde les bonnes lignes. Genre, c'est quand même écœurant. Il était dans un sens. Je le comprends pas de les avoir appris. Il était en crise parce qu'il savait pas au moment où il signait son contrat. Genre, puis là, il était comme bon, mais dans le fond, j'ai même pas besoin de savoir mes lignes. Mais c'est ça qui est particulièrement réussi chez Darth Vader, c'est que c'est trois fois le meilleur de trois sortes de comédiens différents pour donner un super personnage crissement iconique. Là. Ah, dude, Darth Vader est totalement reconnaissable de A à Z. C'est devenu une légende. Là. Il est pratiquement aussi connu que Jésus. Quand il revient dans Rogue One... J'ai eu un petit frisson érotique. Quand tu vois la première fois sur son petite planète de marde, pis là, à la fin, quand tu vois, partir sur un rampage, là, ça, c'est juste un petit peu, ils ont gardé ça classique, terrifiant, mais straight to the point en même temps. Mais ils ont ramené la boucle jusqu'au 4. Pis ça, je trouvais que c'était une touche tellement parfaite. L'instant juste avant le 4, c'est comme oui, c'est en plein ça qu'il fallait que vous fassiez. Ça, ils l'ont nailé. C'est ça qu'il fallait que vous fassiez. Ils ont été parcimonieux de Darth Vader et c'est correct comme ça. Il y en a suffisamment dans le film. Mais dans Rogue One, ça m'avait déçu. Moi, je pensais qu'il allait battre les personnages principaux qui se font tous tuer à la fin de Rogue One. Moi, je pensais que ça allait être Darth Vader qui allait les tuer. Ça m'a laissé sur ma faim. J'ai entendu qu'il y avait une autre version. Une autre version. Dans une explosion nucléaire, c'est bien mieux. Mais j'avais entendu dire qu'il y avait une autre version, mettons, genre de fin de ce film-là. Puis dans l'autre, mettons, t'as comme le monde qui se font... Ils se viennent se faire chier par un vaisseau. Puis là, ils arrivent dans le vaisseau. Puis là, tu vois, mettons, genre, le monde qui sont dans le vaisseau, puis les autres pensent qu'ils sont sauvés. Puis tu vois, je suis un sabre laser rouge qui allume. Puis c'est Darth Vader qui smash eux autres à la place, genre. J'ai entendu que c'était comme une fin alternative, genre, qu'ils avaient faite pour ce film-là. Ça a quand même été bon aussi. Je sais pas ce que... Ça a fait, c'est tout un genre de... Ah, oh, Chrissy, es-tu pas? Tabarnak, c'est cheap Disney. Puis genre, oh, shit! Mais en même temps, le fait que genre il massacre des personnages complètement anonymes, je trouve que ça genre rajoute à comme tu sais, t'as les yeux juste sur Darth Vader, t'as pas les yeux sur les héros qui sont en train de mourir. Je trouve que genre c'est pas fou. Je trouve que ils sont allés avec la bonne option. C'est je pense que c'est simple pour rappeler à la nouvelle génération un peu c'est qui Darth Vader parce qu'ils ont plus la patience d'écouter les vieux Star Wars. Vu de même, Pour les introduire à la légende. Ça fait du sens. regardez, il est vraiment nice. Là, ils l'ont ramené là, à son prime avec plein de CG. Puis regardez, là, ils ont fait la technique cool, Boba Fett. Il étrangle des gens à distance. Il est vraiment cool, là, c'ti. Mon ex-copine me faisait tellement chier. J'ai montré Star Wars. Elle avait jamais vu Star Wars. Fait que j'ai montré ça il y a...
il y a un an ou deux, puis son commentaire à toutes les fois, elle riait quand Darth Vader entrait. Non! Parce qu'elle ben, qu'elle disait qu'il y avait... C'était comme, il y avait une poubelle sur la tête! Ah! Un peu, OK, mais... C'est un peu vrai, dans le premier Star Wars, Darth Vader un petit peu ridicule. En fait, son commentaire, c'était que Darth Vader a vraiment l'air de quelqu'un qui porte un costume d'Halloween. Ça l'a un peu tué pour moi. Oh my God! Parce que tu expliquais que son casque était inspiré des casques des Stormtroopers nazis de la première puis deuxième ouais, guerre puis des samouraïs de l'époque. Des samouraïs aussi. Tout ça, c'est des méchants, là. C'est pas une poubelle. C'est des nazis. C'est pas une poubelle. Il est nice, Darth Vader, mais il est rétro. Ouais. J'avoue. Rétro. Oh, ouais. Ouais. Ça voit ça, elle pense ça déjà en partant à cause de son saut, puis la scène d'après, elle voit étrangler quelqu'un à distance. Et je sais quoi ça, tabarnak? Ouais. mais j'ai essayé de montrer Star Wars à ma blonde aussi, puis c'est peine perdue. À chaque fois, elle s'est endormie dessus. Tu sais, elle s'est endormie dessus à un tel point que, mettons, elle savait pas que Anakin, c'était Darth Vader qui était le père de Luke. Après ça, j'ai abandonné. Là. Moi, je patience. J'ai écouté au moins 3 fois le même Star Wars à s'endormir. C'était fini. Ah, moi, je peux écouter des Star Wars à l'infini. Peu importe lequel. Même la trilogie des années 2000. Mais je comprends ça. Moi, je me retape 3 par année. Là, vraiment c'est pas si pire, moi, cette trilogie. Non, le 1, 2, 3. Le 1, c'est vraiment de la merde. Le 1, c'est le moins pire, je trouve. Moi, j'ai vu à 8 ans au cinéma, puis même à 8 ans, j'étais comme c'est de la merde. Ah. Non, mais le... Moi, ouais, c'est vrai. Le 2, il n'y a pas rapport, mais le bout qui sauve le 2, c'est quand tu vois Yoda se battre pour la première fois. Ouais, il y a des passes. Ouais. Ouais. Drop sa canne. Écoute-le. Je l'ai réécouté. Non. Yoda qui se bat, c'est quand même badass, là. Les effets spéciaux n'ont pas très bien vu. Ah oui, c'est vrai. Mais non, mais dans les premiers... Ils ont tapissé le CGI. C'est la pire affaire. C'est comme, c'est bon pendant 4 ans, puis après ça, ça devient de l'hostie de merde. Ouais. C'est trop vieux. Non, mais je les ai réécoutés cette année, c'était très bon. Les effets étaient carrément moyens, moi, je trouvais aussi. C'est quoi ça, le Seigneur des Anneaux? Le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment joli. Les effets spéciaux ont surprenamment bien vieilli. C'est parce que c'est pas tant genre du gros CGI là, c'est non, il y en avait pas aucun. La majorité des trucs sont faits des effets pratiques, là, les orques c'est tout du maquillage. Genre le troll des cavernes là, qui est la grosse patente en CGI. T'as comme des bébites à des places qui sont ça, genre le Balrog, ils ont pas genre déguisé un éléphant ou quelque chose si du genre. C'est mal vieilli que ça, c'est pas si pire parce que c'est comme discret, genre c'est pas permanent, genre c'est pas la grandeur du film. Genre le fucking Hobbit là, genre ils ont filmé un mur vert avec des acteurs qui se promenaient devant ça pendant genre 7 heures de temps. Mais ça donne son atmosphère au film. Le Hobbit, c'est un Seigneur des Anneaux dommé pour... Parce que tu défends le Hobbit, mais tu bâches le nouveau Star Wars. Tu bâches sur Star Wars 2 puis 3. Moi, le 3, je l'aime, OK? J'ai pas honte de le dire. J'ai jamais vu le 3. Ouais, je peux comprendre. What the fuck? J'ai jamais vu le 3. Ben, calice, on arrête ça puis on regarde ça. Ouais, OK. Merci, tout le monde. Passez... Non, c'est pas... Ben, ça, t'as-tu aimé Solo? Oui. Stand-alone. Oui. C'est pas excellent, mais c'est quand même pas peur. Le moment qu'il rencontre Chewbacca, c'est cool. Non, puis la petite bête... J'étais tellement âgé, je l'ai pas vu venir. Que c'était Chewbacca, la bébile dans l'affaire. La petite vibe Star Wars Western, c'était aussi. Un vol de train. Darth Maul, là. C'est-tu nécessaire que ce soit Darth Maul? Mais il aurait pu marcher un autre méchant. Non, j'ai comme fait... mais moi, je l'ai pas vu, je savais pas. Il y a Darth Maul dans Solo? Enfin, il fait pratiquement un caméo. OK. C'est le punch. Bon, ben, j'ai pas besoin de le voir. Non, mais c'est pas le punch. Personne n'a besoin de le voir. Tout ce temps, c'était Darth Maul. Le gros méchant. Puis il est plus coupé en deux, genre. Non, mais il y a des jambes robots maintenant. Ah, mais ça, ça a été expliqué dans Clone Wars, par exemple. Mais il était pas. Semi, des bouts. Il était pas devenu, genre, fou au fond d'une caverne avec des pattes d'araignée, genre. Ouais. Marco, que tu casses tout. Mais parce que moi, je trouve qu'un autre...
un dude comme Darth Maul, c'est exactement l'inverse de Jar Jar Binks. C'est un personnage qui est mort super vite, mais que le monde a vraiment tout aimé. Ouais. Versus Jar Jar Binks, c'est resté là tout le long des trois, un petit peu. Il y a un maquillage de démon, puis il y a une épée à deux bouts. Comment tu veux pas aimer... Ouais, mais non, mais il est badass, ça. Asti, c'est... En même temps, c'est genre... Le fight scene avec Darth Maul est quand même insane parce que le gars est un genre un pratiquant d'arts martiaux legit puis il fait des fucking flips à grandeur de la place. Darth Maul, c'est lui qui faisait les cascades. En fait, c'était le coordinateur de cascades pour le restant aussi, de l'équipe. Pense, aussi. Ben, ouais, que j'ai entendu dire. Il a montré au monde à se battre avec les épées laser. Ouais, c'est ça que j'ai entendu dire. Ouais. J'ai entendu. Ouais, je pense que c'est sur un podcast, j'ai entendu ça. Je m'appelle Marco, mais, je sais pas. Vous aimez le nouveau Lando? Oui! Man, il était charismatique as fuck. Mais ça, c'est fucking Donald Glover. Mm. C'est un rappeur, il jouait dans d'autres affaires aussi. OK. Ouais, non, le gars, il est malade, là. Ouais, le gars, il est malade en Christ. Non, mais... il y a le swag de Lando. Le swag de Lando en le vieux Lando, j'ai une petite cape. Ah, ouais. Ouais. Mais non, on dirait Ric Flair du futur. Je sais pas si vous avez le référent à tout le monde. Ouais. Sûrement que non, mais c'est pas grave. Il y en a qui l'ont eu là, en ce moment. Ceux qui l'ont pas eu, ils ont googlé. Ils ont chié à terre. Je te le dis, ils ont chié à terre. Envoyez ça dans les commentaires. Aiguisez votre pénis en lambeau. Une petite bête de marde en commentaire. Bon, Schwenz. Mettez ça dans les commentaires. Je suis pas content, j'ai chié par terre. Hashtag Ric Flair du futur. Right? Tu me disais que t'étais gamer. Tu games à quoi? Pardon? Tu me disais que tu gamais un peu. Tu games à quoi? Genre, qu'est-ce que tu veux dire? Quel jeu que t'as joué, mettons, dernièrement? J'ai un PlayStation 3, moi. Ah ouais? J'ai fucking des bons jeux. Il y a des affaires nice au PlayStation 3, puis je joue pas suffisamment pour m'acheter une console, mais là, c'est ma fête demain, je vais m'acheter un PlayStation 4. Ah ouais? Nice. Il y a trop d'affaires que je veux essayer au PlayStation 4. C'est le premier jeu que tu veux t'acheter? Je vais commencer, je pense... avec le nouveau God of War. Oui, c'est une bonne idée. C'est une très série bonne que j'ai jouée de A à Z et il n'y a rien qui me fait plus plaisir que péter la gueule. J'ai vu un ami qui jouait. Ben, en fait, il passait pas beaucoup la manette. Fait que je l'ai surtout regardé jouer. Puis ça a l'air très cool. J'étais comme, hey, j'ai hâte de jouer, mais j'ai pas essayé finalement. C'est... God of War, c'est tellement une belle échappatoire de colère. Là. C'est magnifique. Ouais. Kratos là, fait juste déchirer du monde en deux constamment. arracher des têtes de dieux grecs avec ses mains. Battre Zeus à mort, à main nue. T'as le choix d'arrêter, soit de continuer à le frapper à l'infini ou de tanner puis d'arrêter. Puis là, la cinématique continue. Ouais. Si tu veux, tu peux genre... Le défoncer dans le mur pour l'éternité. Ouais, non, c'est tellement over the top. Apparemment, ils l'ont fucking nailé avec ce jeu-là. Ça a gagné prix du meilleur jeu de l'année 2018. Puis apparemment, le storyline est malade aussi. C'est violent. Violent à ce fuck. Apparemment, le gameplay est super satisfaisant. Casser la gueule à des méduses, à des gorgones, des fois, c'est un peu misogyne. Des fois, je. C'est correct, les femmes qui ont des barbes. J'ai le sexisme de quelqu'un d'autre. Quand on tue des gorgones à God of War, Les premiers God of War, peut-être légèrement de masculinité toxique inclus dans le contenu. Les gorgones font des cris vraiment érotiques. C'est les monstres. Les filles, qu'est-ce que... T'es obligé de leur péter la colonne vertébrale. Comme ça, c'est la misogynie. supposé, mais ça, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis bandé? Oui, c'est des reptiles, elles sont seins nus. Tu veux que je fasse ça? Ouais, ouais. Sinon, il y a un autre jeu aussi qui est exclusif à PlayStation. Je sais pas si t'as essayé, il s'appelle Uncharted. Je connais Uncharted, j'ai jamais joué. C'est vraiment cool. Ce jeu de campagne aussi, un peu genre, je pense pas que tu peux jouer en ligne vraiment. C'est single player. C'est un peu à Tomb Raider, mais ça a plus. Tu t'as pas vraiment d'armes ou d'affaires de même, mais c'est juste genre quand tu. Ça a l'air comme mieux. Pareil, c'est un jeu vraiment insane. En tout cas, au PlayStation 3, il y en avait un qui avait gagné des prix, je pense, justement. Je pense que c'est le 3, d'ailleurs. Puis, mais je n'ai jamais joué. Puis, c'est un des arguments qui me tente vers la PlayStation, justement. Ce jeu-là en particulier, parce que c'est juste sur PlayStation qu'ils l'ont, là, en plus. Fait que... ils ont vraiment des chouettes jeux pour le joueur solitaire. Comme... Là.
Assez hot. Ouais, exactement. C'est PlayStation, c'est une... Ah oui? Ils ont Skyrim, ils ont tout, là. Ils ont les, ouais, les Fallout, ils ont les... Mais ils n'ont pas Halo 3. C'est ça, c'est pas Halo 3. Moi, je suis excellent, Halo 3. C'est vrai, le pire. C'est vrai. Je les ai humiliés. Ouais, mais Halo 3. C'est le seul jeu que t'es bon. Mais il était le seul à ressentir une émotion. Moi, j'étais comme, bon, on fait autre chose. Ouais, j'étais comme, max posé, là, genre 27. C'était genre, on jouait à 3. C'était genre 10 à 0 pour moi dans les. Ça, c'est au Xbox. Ouais, c'est Xbox. Ah non, ils nous ont complètement défoncé. Mais Halo 3, je suis dans ta bardaque. C'est un métalant. Le 3, c'est, le... c'est vraiment, vraiment un jeu pour lequel j'ai beaucoup de désintérêt. Je suis vraiment désolé. Je sentais, bon, on va jouer. Un jour, on va se pogner en main. Il tape une manette d'un main. C'est ma seule fierté. Halo, puis genre, Code, je trouve que c'est comme l'archétype des jeux que le monde joue en ligne comme des estimes, ouais, malades. Code, je suis vraiment moins bon que Halo, par exemple. C'est trop réaliste, t'as pas de gros chien. Ouais, ouais, mais c'est ça. Ouais. Mais Halo, c'est comme l'autre genre où est-ce que tu sautes partout, puis que ça, ouais, explose à grandeur, puis il y a des vaisseaux spatiaux qui tirent des bombes, puis que genre, ouais, tout, ouais, aucun sens. Des banshees. Ouais. Tu fais B, ça fait bouleverse. Non, jouer online. Non, c'est la pire. Non. Joueur solitaire, moi. Ouais, je risque pas, moi aussi. Ouais, j'aime bien ça aussi, mais je savais pas que sur PlayStation, il y avait plus de choix justement pour ce genre de, de trucs-là. Là, dernièrement, j'ai essayé pour la première fois un role-playing game parce que j'avais Oblivion, c'est un vieux, en fait, là, sur Xbox 360 que j'ai pu downloader. Puis j'avais jamais essayé un Elder Scroll à date, puis sérieux, c'est très, très cool. Je pense que tu commences dans une caverne, sti, puis genre, dans une prison. C'est nice, okay. C'est nice. Avais-tu essayé Skyrim? Non, en fait, c'est vraiment le premier role-playing game que je joue ever. Ouais. C'est pas Skyrim, après, il est vraiment chouette. Skyrim est malade. Il est vraiment ah, c'est bon commentaire. Est-ce que je devrais arrêter tout de suite Oblivion? Ça dépend, parce que Oblivion... je me suis attaché à mon personnage, OK? Ouais. Oblivion, je me rappelle pas de son nom, mais... Il est rouge. Si tu vas jouer Skyrim, c'est complètement dur d'aller jouer à Oblivion après. Fait que si tu veux comme vivre l'expérience juste d'Oblivion, niveau graphisme, t'es mieux, c'est ça, t'es mieux de jouer à Oblivion en premier, puis après ça... Après ça, tu vas te triper comme un estime mongol. Parce qu'il y a quand même un storyline en fait de chacun des Elder Scrolls puis tout ça. Puis fait que je me suis dit, ben, je veux pas reculer nécessairement au premier, au fucking sur un MS-DOS, genre sur un vieil ordinateur. Oblivion est encore accessible, mais moi j'ai joué à celui qui était avant ça, Morrowind, puis ça, tu genre t'embarques dans un autre game. Là. C'est pas la même affaire. De un, les graphiques sont épouvantables. C'était ça Xbox normal. Ça marchait bien. Ça vieillit pas bien, ces jeux-là. Vraiment pas. Eux, ils étaient en role-playing game, genre vraiment plus de niche. Là. Fait que t'as comme crissement plus de stats qui rentrent en jeu dans tes affaires. Pratiquement, t'as une calculatrice à côté de toi pour genre optimiser ton personnage. T'as pas de fast travel. Fait que pour traverser la map, ça va te prendre 14 heures à aller genre donner un épée à un dude nowhere pour comme 50 pièces d'or. Tout est colissement plus dur. C'est le bordel. Mais les fast travel, il n'y en a pas dans Skyrim que j'ai entendu dire. Oui. Dans Skyrim, oui. Fast travel à la grandeur de la place. Ben, j'ai entendu. En tout cas, ben, c'est quand ça venait de sortir, il y avait quelqu'un qui me disait genre, est-ce que c'est de la merde qu'on laisse parcourir la map. Mais peut-être qu'il n'y avait juste pas catché le fast travel. Non. Mais ben... genre, il court pendant 14 heures, il est comme, Chris, que c'est long. C'est impossible. C'est 28 heures. Me rendre à mon point. Comme, pince sur A. Ah, c'est fuck. Ça. C'est parce que une partie du plaisir, c'est de se promener sur la map, là, mais se promener sur la map dans Morrowind, c'est un calvaire. Il y avait un jeu, Assassin's Creed avait un jeu, je pense que c'était comme. C'était quoi? C'était en Amérique que ça se passait. Au temps c'est de la guerre de la Révolution américaine, Puis il y avait ça c'était aussi. Il n'y avait pas de fast travel. Il fallait que tu te promènes dans le bois. Puis là, j'étais comme tabarnak. Il fallait vraiment que tu te rendes loin. Il y en avait, là, mais c'était. Ça laquait, là. Surtout le fait que c'était genre map de bois. Je te le jure, il y a une fois, là, ça m'a pris une heure à me rendre, genre. Une heure, là, à comme pu triper de gambader d'un arbre à l'autre, là. C'est long en tabarnak. Mais en tout cas. Tu prends ton cheval dans ce temps-là. Un cheval dans ce jeu-là. Il n'y a pas de cheval, tu sais. Je jure. Il n'y a pas de cheval, calice. Il n'est pas bon monter des falaises, là. Tu vas voir dans Skyrim, ça, par exemple, monter des falaises à cheval, ça marche super bien.
Ouais, je te donne ça comme truc. Ouais. Escalader une montagne, utilise un cheval. Pour vrai, c'est ou... vraiment niche comme commentaire en ce moment. Okay. Pas beaucoup de monde comprennent ce que je dis. Je pensais que c'était de l'ironie. Je pensais que c'était comme genre, ouais, vas-y, essaye, tu vas trouver non, ça. Non, je te jure. Genre, ton... Rien de mieux qu'un cheval pour monter des montagnes. Ouais, ouais, ah, ton, okay, ton cheval peut littéralement monter un mur à comme 80 degrés. Ben non. C'est con. Oh, wow. Mais un autre des exclusifs de PS4 qui est malade, c'est fucking Spider-Man, qui était un autre single player. Ah, mais ça, j'ai joué, j'ai un Nebro qui l'a acheté. C'est quand même c'est malade mental. C'est vraiment nice. C'est vraiment tough à jouer comme jeu quand tu joues à un niveau raisonnable. Ouais. C'est hard, là. C'est, ouais, les méchants, sont, ils deviennent forts à un moment donné, pour vrai. Là. Ok, je veux un PS4. Mais je veux plus mon Xbox One. Je vais aller le vendre. Non, non, Xbox. Hey, team Xbox, man, tu m'abandonnes. Y'a pas de team. Y'a pas de team. Y'a aucune team. Ok. Ça me ferait, moi, le monde qui se prenne une team puis qui sur là puis insulte l'autre comme si j'ai eu ce débat là quand j'avais 16 ans dans l'autobus. Okay? Xbox c'est moins ça. Ouais, mais je sais pas, j'ai des chums qui sont même genre c'est parce qu'il y a une PlayStation, c'est comme ben ouais. Genre, tu sais, je comprends que t'as acheté cette console-là, mais Chris, c'est pas toi qui l'as fait, tabarnak, là. Genre, c'est ça. Chris, t'as rien à voir avec cette console-là. Le monde veut justifier leur rachat, en devenant comme fucking sept. En l'associant à leur personnalité. Ouais, exactement. même affaire Mac PC. Ouais, le monde n'achèteront pas les deux. Moi, je suis un gars Xbox, comme... man. Ok. C'est alright. Tu sais que ça en crise toutes les bonnes explications, toutes les meilleures. Est-ce que les meilleurs arguments au monde, comme là, oh, je m'en crise, man. C'est un gars Xbox. Moi, je suis un gars ça, Xbox. Ça passe une PlayStation. C'est parce que, genre, PlayStation, c'est méga, genre, tu sais, là. C'est des grandes PlayStation. Je me reportais à quand j'avais 16 ans. Dans le fait, t'es venu, t'avais commencé avec. C'est acceptable. T'avais commencé avec une anecdote d'acide. T'en as-tu d'autres? Oh! T'es malade. Tu veux plus d'anecdotes d'acide? J'adorerais ça. C'est vrai, ouais, la dernière était assez savoureuse, je me rappelle. La dernière, tu traversais le festival juste pour rire. J'ai fait du buvard pendant le temps des fêtes. Oh. Mais non, mais c'était quand même relativement tranquille, en fait. Je me suis fait des beaux petits trips planifiés à des dates où j'avais rien, puis c'était parfaitement safe chez nous, dans des endroits où c'était... Attends, la première fois, j'en ai fait trois fois. La première fois du temps des fêtes, j'en ai fait tout seul à la maison. Ça doit être weird, pareil, tout seul. Ton appartement étant décoré en Noël parce que t'es un grand fan de Noël. Mon appartement étant décoré de A à Z en Noël parce que je suis un grand fan de Noël. Happy sur la scène chez vous. Ouais, ben non, c'est ça, en fait. Il y a comme embarqué weird, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'aurais pas dû faire ça tout seul. Oh, shit. C'est la deuxième fois que je fais ça. T'as-tu un petit train de Noël? Presque. J'ai un arbre vraiment cute, JF, avec des petits oiseaux, avec des petites couleurs. Nice. Mais ça faisait peur, genre. À demain. Non, j'ai écouté Superman Returns, en fait. J'étais comme... C'est le bon film de Noël. Superman qui se fait poignarder de la kryptonite par Kevin Spacey. Je suis comme, God, c'est bien négatif. Ce que la télévision m'envoie en ce moment. Puis là, à un moment donné, à 2h du matin, j'ai éteint les lumières. Puis là, il y avait juste la lumière de mon arbre de Noël dans l'appartement. Je suis un faune. Puis là, c'est ça. C'est le bout où je me suis dit que j'étais devenu un faune. Un faune, c'est, vous savez, dans le labyrinthe de Pan, là, les faunes, là, ceux qui ont moitié chèvre, moitié humain. Moitié humain, là. Voilà, je me suis mis tout nu dans mon appartement. À marcher sa boîte des pieds tel un faune. Yes! Avec tes deux chats. Oui, avec mes chats qui étaient comme, oh, qu'est-ce que c'est? Mademoiselle, c'est encore Mademoiselle Cunningham puis Nestor. Mademoiselle Cunningham puis Nestor, ouais. Mademoiselle Cunningham, c'est malade comme nom. C'est grosse chat, je suis une grosse princesse, c'est terrible. Fait que j'ai été un faune. Puis après ça, j'étais allé me coucher puis j'ai rêvé à deux reprises que j'étais dans une orgie. Oh, non, mais en, right. Comme, ah yes, rien de mieux qu'être dans une orgie. Puis
Non, Charles, attends un instant. Non, 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 t'es tout seul dans ton lit. Y a rien avec deux chats. Ah, merde, pour mademoiselle Koenigsegg. Ah, merde, vous la passe. Je lui ai défoncé le cul. Bordel de merde. Ouais, ouais, je n'ai baisé aucun animal. Promis. Puis c'est ça, je me suis réveillé le lendemain, puis j'avais un brunch de Noël, puis ça a été. Ça doit être rough. Un lendemain? Non, ça a été rough, sûrement délicieux, en fait. T'étais-tu encore dessus ou. Le lendemain. Un micro peu, mais le lendemain d'acide, il est gérable parce que t'es fired up. Tu n'irais pas te coucher de toute façon. Là. T'es pas scrap, genre. Non. Mais est-ce que la nuit est-ce après, qu'il y a ça, des résidus. Faut aller se coucher. Oh, ouais. Après un trip d'acide, est-ce que tu dors bien? Non. Non, vraiment pas. Non, genre, pas c'est comme genre pire que le moche, mettons? Oui. OK. Juste un peu pire que le moche. Non, mais je vois au niveau de dormir. Oui, au niveau okay, de dormir. C'est un peu comme du speed, genre? Non, c'est un peu comme de l'acide. Là. C'est du café. C'est comme si tu avais pris 150 cafés. T'es juste en fait. Pas capable de t'endormir. T'es juste, ouais. T'as les yeux, tu fermes les yeux, t'as les neurones qui sont en train de faire des flamèches. Oh, oui, t'hallucines plein d'affaires. Toi, t'en as déjà fait dormir aussi? Là-dessus. Là. Oui. Tu prends du pot, tu bad trip. Ouais, je crée un chute du pot, esti, puis je trouve que ma face ne réagit pas bien avec mon environnement. Tu t'appelles ta mère à 3h du matin. Elle me dit « Ah, je suis trop gelé! » Non, ça, c'était du moche, ça. C'est déjà arrivé. J'ai réécouté les vieux épisodes de podcast pour apprendre à vous connaître. Je l'ai pas appelé, j'ai été directement dans sa chambre parce que j'habitais chez mes parents. OK. Je vais la raconter une deuxième fois, c'est pas grave. C'est malade. Dans le fond, j'étais dans un bar avec des amis, puis là, on était en train de trinquer quand même solide. Puis vers minuit, un de mes amis, moi, je cherchais de la drogue, puis il a fait comme « Hey, il y a quelqu'un qui m'a donné un sac de moche, parce que lui, il est musicien, il a fait un show, le gars vraiment aimé le show, il a fait « Dude, je te donne un sac de moche. » Il a fait « OK. » Puis là, le gars, il a dit « Fais pas plus qu'un gramme, parce que passer ça, c'est un trip d'acide. » Puis là, genre, lui, il a fait comme « Ah, OK, correct. » Il m'a passé l'information. Moi, j'ai fait « Non, fuck that. J'ai déjà fait de l'acide, voyons, du moche. Un gramme, là, je veux dire, il y a rien là, là. Fait que clairement, je suis capable d'encaisser. » Fait que je me suis mis en manger. Puis le trip embarquait, puis tu sais, j'avais du fun, mais je me suis mis à en manger comme un sac de chips. Genre, j'en mangeais énormément. T'as des champignons, ça? Ouais, des champignons, ouais. Ça, c'est dégueulasse. Tabarnak, juste au goût, bon. Non, rendu là, j'étais complètement saoul, puis défoncé ces champignons, puis j'en mangeais comme t'oubliais, ça. T'oubliais que ça avait poussé dans la marde. Ouais, genre. Complètement. J'ai pas pensé à ça, là. Tu sais, après une visite au concessionnaire de camion, où est-ce qu'on a joué dans un camion de pompiers, là, après ça, je retourne chez moi à la maison. Puis là, c'est ça. Là, il est rendu comme 5 heures le matin. Faut se rappeler que, en fait, moi, je travaillais le lendemain à 7 heures le matin. OK? J'allais poser les clôtures. T'avais quel âge? J'avais 18 ou 19. Dans ce coin-là. Okay. Dans ce coin-là, quelque chose comme ça. Ben, l'âge que c'est normal de ne pas être responsable. Ouais, exact. Exact. Fait que là, c'est ça. Puis là, j'arrive chez nous, il est comme 4h30 du matin, à peu près, quelque chose comme ça. Puis là, je m'en vais dans ma chambre. Puis là, j'ai les rideaux qui sont ouverts dans ma chambre. Je vois dehors. Puis là, l'espèce d'ombrage, genre de lumière, etc. Là, je commence à voir des machines industrielles dans ma chambre, genre comme des machines d'usine, puis tout ça. Puis là, je commence à vraiment pas aimer ça parce que ça me rappelle que demain, il faut que je travaille. Puis il me reste 2h30, puis je suis en train de me dire de plus en plus que jamais je serai capable de me rendre, puis j'ai aucune bonne raison. Fait que là, OK, ça marche pas. Là, c'est comme, OK, non, je battrai, mais ce que je vais faire, c'est que je vais m'endormir. Fait qu'en fermant mes yeux, je devrais m'endormir, right? Non. Fait que je ferme mes yeux et la première chose que je vois, c'est comme des rosiers poussés, là, avec des épines fluo. OK, progressivement, comme une mosaïque qui prend de l'expansion, puis il y a les épines fluo qui commencent à sortir, puis tout ça, puis blablabla. Moi, ça me fait complètement bad tripper. Fait que je décide de me faire vomir dans ma poubelle. Fait que je me fais vomir dans ma poubelle. Ça change rien. Ça fait déjà 2 heures au moins que j'ai fini de manger mes dernières poignées de chips. Fait que je suis comme en panique. Là, je suis comme, OK, ça, c'est le bad trip que tu reviens pas. Là. Ça, c'est le bad trip qui fait que tu restes de l'autre côté. Genre, tu sais, le bad trip que, genre, tu vas te faire interner le lendemain. Là. Tu sais, moi, c'était ça dans ma tête. Puis j'étais comme, OK, il faut appeler l'ambulance parce que là, c'est ce bad trip-là. Là. Faut vraiment que j'appelle l'ambulance. Puis là, je suis comme, OK, qu'est-ce que je fais? Là, je suis comme, OK, mes parents sont là, mais clairement, je peux pas les réveiller. Une année, je me suis, genre, raisonné. Je fais, OK, faut que t'ailles de l'aide. Fait que je suis sorti de ma chambre à 18 ans. Je suis rentré dans la chambre de ma mère qui dormait, évidemment. Chris, il était 5 heures le matin. Là, je m'en vais à côté de son lit, puis là, je la réveille, mais là, je
tu sais, je comme, tu sais, je vais y aller tranquille. Chris, il est quand même 5 heures le matin, là. Je jouerai pas de la guitare. Fait que je fais juste, il disait, ma. Puis là, maintenant, elle se réveille en sursaut. Ah, Chris, que c'est qu'il y a, hostie? Puis là, c'est ça, j'ai dit, ouais, ben c'est ça, c'est que je, genre, je me sens pas bien. Puis là, elle a dit, t'as-tu tué quelqu'un? Puis là, j'ai fait, non. J'ai de quoi dire, genre. J'avais tué personne. Ah, j'ai de quoi dire. Ah, ok, peut-être que je me rappelle mal. En tout cas, peu importe. J'ai de quoi dire. Puis genre, puis là, elle me dit, t'as-tu tué quelqu'un? Mais moi, j'ai besoin de réconfort. Moi, j'ai besoin. J'ai besoin. Ouais, j'ai exact. C'est ça qui va paniquer. Puis je sais de quoi. Ah non, pire affaire, pire réponse au monde. Fait que là, elle me dit ça. Je dis, non, fais-toi sans pas, blablabla. J'essaie de calmer la situation. Parce que là, j'ai pas besoin de cette crise-là. Là, j'ai dit juste. C'est quand même magique, t'as besoin de calmer la situation pour pouvoir être réconforté. Ouais, je suis en contrôle jusqu'à un certain point, il faut croire. Mais mon cerveau le savait pas tout. Fait que je réveille ma mère. En tout cas, bref, fast forward. Là, il faut que je dise que j'ai fait du moche. Fait que là, j'ai dit, j'ai fait beaucoup de champignons magiques. Comme une dose irresponsable pour genre Willie Nelson. OK? J'ai fait énormément de moche, puis en tout cas, puis là, elle me dit, hey, félicitations, c'est brillant. Là, je suis comme, non, là, j'ai pas besoin de ça, on s'en parlera demain, mais là, en ce moment, si je capote, je veux qu'on appelle l'ambulance, tout ça, puis comme, non, calme-toi, puis là, quand elle commence à me flatter le dos, puis comme, ça va bien aller, puis là, elle dit, attends une minute, là, elle dit, qu'est-ce qu'on peut faire, puis là, elle appelle l'info santé dit, donne-y du lait, whatever, fait que là, je prends mon lait. Puis là, finalement, cette nuit-là, j'ai dormi en position fœtale dans le lit de ma mère toute la nuit pendant qu'elle me flattait le dos, puis j'étais comme genre, c'est weird, pas sûr j'aime ça. pas que ma mère soit dans le même lit que moi à ce moment-là, puis qu'elle me flatte le dos, juste comme, touche-moi pas, la sensation est weird. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle a arrêté de me sucer, puis en tout cas, ben c'est ça, fait que j'ai dormi en position fœtale. Le lendemain matin, je me rappelle, je me suis réveillé comme à 11h30, ce qui est 4 heures plus tard d'où est-ce qu'il fallait que je sois à ma job. Fait que je me réveille, puis là, je suis juste vraiment content d'être normal. Je suis comme, OK, je serai pas interné possiblement. Parce que là, je pense que ça va. Rien de mieux qu'être normal. Oui, honnêtement, j'étais vraiment là, rempli de gratitude quand je me suis levé. C'était vraiment weird. Puis là, je me suis réveillé, j'étais voir ma mère. Puis là, j'ai fait, là, mon boss va être en tabarnak, je suis pas rentré. Puis elle a dit, non, fais-toi-en pas, je m'en suis occupé. Là, j'ai fait, de quoi tu parles? Tu t'en es occupé? Elle avait appelé mon boss pour lui dire que j'avais eu une intoxication alimentaire la veille parce qu'il avait mangé des sushis ou whatever. Fait que je suis comme, all right, merci, maman. Mais en même temps, faut que je retourne à la job le lendemain. Là. Puis les gars vont me dire, comme, ouais, comme ça, ta mère, Sty, appelle pour dire que tu peux pas être là à la job, tabarnak. Là, fait que j'étais comme mi-content. Tu sais, je savais pas trop. Ouais, mais une fois que t'es là, tu peux juste leur dire. Je pense pas que le boss va faire, hey, tout le monde, la mère a fait bien dedans. Non, mais quand ça dépend de la job où que t'es. Attends, je te rappelle que je posais des clôtures, OK? Ouais. On n'écrivait pas des romans dans un bureau à Manhattan, Sty. C'était pas. Non, c'était du monde, t'es comme, ben, fif, regarde. J'étais arrivé en fait sur le chantier, là, si on peut dire, puis il y avait juste des rires en coin qui m'ont accueilli. C'était juste des rires en coin, puis des comme, ça va, man? C'est comme, oh oui, ça va mieux, ça va mieux. La journée même, genre? Non, le lendemain, okay, j'ai pas été là. La journée Ouais, j'ai juste skippé la journée, là. Je fais fuck that. Je suis même plus sûr que je suis tant conscient de comment mentalement je me sens, là. Fait que, ouais. Et moi, faudrait jamais que ma mère soit là quand je suis sur les shrooms, man. Oh, man. Ça ruinerait mon rythme. C'est abominable. Oh, non, c'est horrible. Ça va. De quoi ça a l'air quand ma face est normale? Qu'est-ce que. Oh, ouais. C'est ça. J'avoue que quand t'es ça. Quand t'es gelé, genre, c'est des trucs de même. Puis tu vois, de coup, qu'il arrive un imprévu, mais genre, qu'il faut que tu redeviennes normal. Tu que c'est bad trip. Ah, c'est la pire expérience. T'as vraiment pas l'air normal. Ouais, ça va, là, t'es joli. Y'en a pas de problème. Parce que tu es genre stressé aussi. Ouais, Chris. T'as une dôme d'adrénaline combinée au fait que t'es sur un hallucinogène. Puis t'es comme tabarnak. Mais dans cette situation-là, moi, j'essaie de juste assumer que je suis gelé. Tu sais, j'ai pas tué personne. C'est ça, je suis défoncé. T'es là avec. Je vais être genre, ha ha ha. Mais parce que moi, je sais pas, j'ai pas l'anxiété sociale quand je suis gelé. Ouais. Je fais pas des drogues sauf que ça, je fume du weed, je prends du de temps en temps dans l'été, puis des fois de la MD, mettons. Là. Mais tu sais, en général, je suis comme, ben, je suis high. Je suis content d'être là. Je suis pas genre, oh fuck, ils pensent que je suis gelé. Ouais.
Puis c'est pas ça, je l'ai pas en moi, mais je l'ai vécu de plusieurs façons. Hein. Au début, je me rappelle, tu sais, quand t'es jeune, t'es rookie, tu fumes, t'es comme genre, oh fuck, ouais. Je pense que je suis gelé. Puis après ça, je pense, oh, tout le monde s'en calisse. Mais normalement, ouais. Je travaillais dans un resto, puis il y a du monde qui commande de quoi. Puis là, j'étais comme genre, ah, c'est qu'ils sont défoncés, eux autres. Puis là, je t'aurais juste dit, bon munchies en les servant. Fait que là, ça venait confirmer le fait là, que les autres personnes savent que t'es ouais, gelé. Ouais, ouais. J'ai comme ouais. Pété de l'autre côté, ça, genre, ouais, ouais, en ouais, faisant ouais. Genre, ah, je sais que t'es high. Tu te rends compte en vieillissant, parce que quand t'as 15-16 ans, puis un jour t'es gelé à la job, t'es persuadé que le monde ne savent même pas c'est quoi fumer du pot. Ouais, genre. Pas, genre, de quoi ça a l'air qu'il y a un gelé, là, mais Chris. Je prendrais pas genre sa job sous l'influence, par exemple. J'ai jamais eu genre ce problème. Ben, en général, travailler un peu ça, c'est une bonne idée. Sinon, ouais. Charles, ben, ça toi, tu as commencé un podcast. Que je. Ouais. Ouais, tu me fais exploser ça là. Ouais. Excuse-moi, je suis trop gelé pour gérer tout ça. Mais ouais, ouais, non, ça, mais je voulais en parler depuis, j'avais des questions là-dessus. Je savais que ça allait me faire fucking ma croix un peu. Non, mais c'est ça, mais je me demandais pourquoi. Ben, dans le fond, c'est les pires moments de l'histoire qui sont produits par Urbania. Ouais, que j'ai vraiment aimé. J'ai même. T'avais envoyé un post bon. Sur Facebook, là, genre, tu sais, texté. Tu sais, parlez-en à Urbania si vous voulez revoir. Puis là, je les ai comme carrément. Je les ai comme texté. Là. J'ai fait, ouais, let's ouais, go. Je prends ma vie en main. Je veux une autre saison de ça. Ouais, j'ai vraiment, vraiment aimé ça, sincèrement. Même j'ai pris le temps de te texter pour te dire que j'aimais ça, puis je fais pas ça tout le temps à tout le monde. Là. Puis non, j'avais vraiment, vraiment trippé. Puis c'était des courts épisodes, puis à la fin des 5, j'ai juste fait « Fuck, man, that's it! » J'ai en fait que j'en veux d'autres, tu sais. C'était un petit peu un test. Mais là, ça se peut que ça revienne. Mais t'es vraiment bon là-dedans. Ah oui, oui, oui. Parce que oui, pour oui. Vrai, je suis même pas tant oui. Fan d'histoire, pour vrai. Mais genre, tes podcasts, j'écoutais, puis honnêtement, genre, tu sais, j'écoutais vraiment. Là, j'étais pas genre, je l'écoutais, puis je partais dans l'une. Genre. C'est de la, c'est de la vulgarisation humoristique, en fait. Mmh. C'est là où est-ce que c'est intéressant, parce que tu trouves ton compte de plusieurs manières. Tu, genre, t'apprends sur l'histoire, mais en même temps, ça te fait comme crissement rire, tu sais. Moi, je trouvais que c'était juste vraiment bien dosé. Ouais, moi, à l'épisode 1, j'avais juste la chanson « Rah, rah, Rasputin, cette chanson-là. Ça, ouais. 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 Ouais. Ça, ouais. 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 Ça, c'est ouais, juste ouais, une non, connerie non. Qui a été inventée par l'air disco. C'est salaud. Mais, ben, merci les boys. Comment, mettons, que pour builder le podcast, c'est quoi le processus que vous utilisez, mettons? On fait de la recherche, on se voit, on détermine. Je travaille ça avec Audrey Rousseau puis Catherine Thomas. Qui sont co-auteurs là-dessus. On se rencontre à trois, on sélectionne les sujets, qui a envie de faire quoi. Généralement je fais les portraits de okay. De personnages. Audrey monte des tops, genre le top 10 des pires papes. Oui. On a tout à peu près notre spécialisation dans la structure de cette affaire-là. Puis... à partir de ce moment-là, on écrivait une version 1, on se les échange, on check les affaires, 2, 3, 4 rencontres de peaufinage, puis okay. Après ça, c'est direct à l'enregistrement. C'est quoi, mettons, tes critères pour faire genre, OK, lui, il y a dans les pires, ça le parle de l'histoire, je vais en parler. Parce que là, t'as Rasputin, tu parles des Vikings. Dès que c'est le fun puis que c'est quelque chose que je juge qu'on n'en parle pas souvent ou que c'est des personnages que les gens connaissent ou qui ont déjà entendu le nom mais qui savent pas vraiment c'est quoi vraiment l'histoire derrière la célébrité de ce personnage là toutes les affaires que je trouve intéressantes c'est toutes des histoires hein. c'est vraiment ouais. Toutes des narratives différentes. Là. Puis tout ça, c'était parti de mon spectacle La Peste Noire. Ouais, j'ai vu. Les gars, j'en ai parlé de ça, j'ai jamais vu. Ça, c'était parti d'un trip d'un soir qui t'a dit ça en décodant d'un soir relativement drôle. Si ouais. Je me trompe pas. Ouais, juste, c'était supposé être un stunt. Avec Claude Landry puis François Tousignan, puis je leur ai fait La Peste en 15 minutes, puis ils ont tombé, puis voilà. Depuis l'an aiguille, j'ai fait un spectacle avec c'est ça. Fucking bon. Moi, j'ai trouvé ça drôle, Chris, la première image que tu projettes, le style d'image fucking de gay porn. C'est que j'avais trouvé ça. Ne vend pas tous les secrets de la magie. Je suis tellement désolé. Spectacle de magie.
Non, mais... Je suis tellement désolé. C'est ça, c'est de la vulgarisation. C'est raconter une histoire que je trouve vraiment, vraiment fascinante à des gens. Puis ce qui est le fun, c'est que la tyrannie du rire n'est pas 100% présente dans ce spectacle-là. Je ne suis pas 100% obligé d'être drôle tout le temps. Ouais. Il y a des fois où je peux juste être intéressant. Ouais. Puis après ça, puncher plus fort parce que j'ai pris le temps d'être intéressant. Fait que c'est un beau show qui est le fun à jouer en plus, qui est organique parce que je ne l'ai jamais appris de A à Z à la virgule près. Je sais toujours grosso modo où est-ce que je m'en vais, quel joke je devrais faire, à quel moment j'ai mes cue cards, je suis peinard, je bois une bière en faisant le spectacle. Des fois, les gags en soi, quand tu racontes quelque chose, c'est le passage d'un langage à un autre. Quand tu passes, mettons, d'un langage soutenu à un langage familier, juste là, il y a un effet comique. Ça crée un processus de vulgarisation instantanée. Ouais, puis tout de suite, ça crée un effet comique. Genre, aussitôt que tu fais la transition de un à l'autre, genre, c'est automatiquement... C'est de l'humour de l'époque dans laquelle on vit, analysé en comparaison au même standard à une autre époque, tu sais. Oui. Puis je pense que ça nous permet de... Moi, du moins, ce que je trouve fascinant dans tout ça, c'est que ça me permet de mieux me comprendre, moi, à l'époque où j'existe. Puis c'est quoi les équivalents modernes de toutes ces choses horrifiantes, là. Ben oui, c'est clair, parce que tu étudies un peu genre le passé là-dedans, fait que tu vois plein de comportements humains, tu vois des comportements humains. Les comportements humains, on les répète constamment, peu importe le siècle, hein, ça évolue, mais on est tout à peu près c'est à peu près la même affaire depuis Les Hommes des Cavernes. C'est ça que je me rends compte, en fait, aussi en faisant cette série-là. C'était OK, c'est le même genre de stupidité au Moyen-Âge que à cette place-là. C'est juste qu'ils ont poussé la patente un petit peu plus loin. C'est ça qui fait que le podcast, c'est nice. Parce que c'est ton regard un peu de ça. Puis c'est dit d'une manière vraiment intéressante, mais dans une manière tellement banale. De genre, mais bien sûr, Rasputine, imbu de lui-même, arrive et rentre chez lui parce qu'il est le roi des héritiers. C'est dit de manière vraiment si, genre, c'est chez son père, il organise. Pas pour des caves là-dedans. C'est pas genre, oui, je sais ça, puis je le dis. C'est vraiment genre, je file comment tout le monde voit cette histoire-là, puis je vous la raconte en même temps que vous l'écoutez. Genre, bien évidemment, c'était que ça reste accessible, puis que. Ouais. Puis que les gens trouvent ça aussi intéressant que je trouve toutes ces affaires-là. Ben mais c'est parce que c'est intéressant. C'est dans ton créneau, mettons, la peste noire, c'est comment tu le décrivais? C'est une conférence humoristique. Historico-humoristique. Voilà, c'est ça. Je pense que tu réussis à faire voir le monde, mettons, genre, cette histoire-là dans tes yeux à toi, genre, puis t'es capable de faire filer comment toi tu le vois à... Parce que moi, honnêtement, probablement que quelqu'un d'autre me l'aurait lu, cette histoire-là, m'en serait calissé. Mais toi, tu le racontes tellement d'une bonne manière que, genre, même moi, genre, tu viens chercher mon intérêt, puis je suis hyper actif. Tu sais, souvent, mettons, je perds le focus. T'es capable de me garder. Ceux qui écoutent le podcast, ils savent, ça, que tu perds le focus. Mais... non, mais je sais. C'est pour ça que ça s'appelle l'histoire, là. C'est juste ça, des fucking histoires. C'est au même titre qu'aller écouter Robin des Bois, le film. Ou, Avec tous ces trucs-là, tes conférences, C'est enfargé dans ta Heineken, je pense. Ça, tu devrais tout noter, tous les textes de ça, puis aller les enterrer quelque part. Peut-être que dans genre 1000 ans, le monde va penser que c'est ça la vérité. C'est une capsule temporelle. Laisser mes spectacles. Lancer dans l'océan, puis peut-être que plus tard, ils vont voir Charles Beauchamp comme un dieu. Avec une couple de photos de moi là, qui est explicatif. Mais tu es un fan, t'aurais pas aimé ça faire un truc de même qui parle de la Deuxième Guerre mondiale? Oui, mais j'attends. Pas tout de suite. La Deuxième Guerre mondiale, moi j'ai l'impression que le spectacle va être en deux parties. C'est une longue histoire. C'est long. Je pourrais le faire en une heure, mais faudrait qu'on en sait quand même vraiment beaucoup. Ça pourrait. Tu parlerais pas de la première, juste la deuxième. Non, la première, c'est un show complet. Je préfère une heure sur chacun. Mais c'est pas. Je sais que je veux les faire, ceux-là, éventuellement, down the line. Mais là, je suis en amour avec Jack l'Éventreur. C'est ça que je présente au Minifest cette année. Charles Beauchesne parle de Jack l'Éventreur pendant 60 minutes. C'est cool. Faut clairement que tu tournes ta pub de ça au pont Victoria. Oui, je trouve que le pont Victoria, il fait
vraiment j'ai l'impression que ça magane vraiment plus les pneus que toutes les autres ponts. Je te confirme que ce pont là est pas bon pour un char. C'est tout l'entourage comme t'as l'impression que t'es en danger. T'as quasiment l'impression que t'es sur la glace. Des rampes à pneus. Ouais. Jacques Léventreur a fait ce pont, je te dis. Mais ça, c'est fascinant. Lui, man, on saura jamais c'est qui. Ouais, moi, c'est ça qui me fait capoter. Ouais. Je sais pas ce que j'écoutais, mais il parlait justement de Jacques Léventreur récemment. Je me suis dit, je pense que c'est un podcast quelque part, là, mais vraiment loin. Puis c'est ça, le fait que c'est devenu comme un personnage de légende, puis que il y a rien d'autre à faire dans l'enquête. Là. Les preuves sont toutes disparues, puis on ne peut rien faire, mais on le saura jamais. On saura jamais c'est mais qui. Il est dans tout. Comme l'imagine. Ouais. Tu sais, on est au Canada, puis dans notre imaginaire collectif aussi. Genre, ouais. C'est de l'autre bord de l'océan. Là. On n'était pas à Londres, pas en tout. Là. Attends. Puis à travers tout ça aussi, là, check le modus operandi de ce gars-là. Il théâtralise ses meurtres de la même manière 5 fois de suite, comme quelqu'un qui prend de plus en plus de temps et de plus en plus de plaisir à tuer des prostituées. Ouais. Puis il arrête après 5. Puis il disparaît. Et on n'en entend plus jamais parler. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Est-ce que le doux des morts accidentellement, il est sorti chez lui, il a glissé sur une flaque de piste, puis il s'est laissé briser le nœud quand on met les escaliers? Est-ce que... il est tombé en bas d'un pont, il s'était foiré dans ta nuit, mais il savait pas nager, ils l'ont repêché le lendemain dans le bateau au cadavre victorien. Non, est-ce que... Ils n'ont pas de registre des gens qui sont morts, mettons, c'est genre la journée du meurtre. T'es à Londres, de un, t'as des millions de personnes, même à cette époque-là. Ouais. T'as plein de monde qui crève en permanence. C'est en quelle année déjà? C'est 1888. 88, OK. Mais tu sais, à cette époque-là, des tout affaires, le monde s'empoisonnait, de un, tout le monde mourait. T'as pas les mêmes registres, la même science que t'as aujourd'hui. De deux, t'as pas comme la médecine qu'on a aujourd'hui. Fait que si tu te coupes et que ça s'infecte, on ampute ou tu meurs, là. Alors, tu te coupes le doigt, il va falloir qu'on ampute la main, puis sinon tu meurs. Si le gars, il est en train de poignarder des filles puis qu'il se coupe accidentellement, ce qui est comme très commun dans un combo couteau, c'est que la personne va se blesser elle-même. Mm. Puis... que genre si tu te coupes puis qu'après ça tu passes la demi-heure d'après à dissecter une prostituée à une époque où il y a encore une fois pas de médicaments contre les affaires, tu vas pogner de quoi de façon pratiquement assurée, puis un mois plus tard tu crèves. Il a pas fait ses 5 meurtres dans la même semaine aussi, non, il faisait à grande période. Il est peut-être mort stupidement après s'être coupé dans son lit. Exactement. Est-ce que c'est une espèce de proto, genre Luca Rocco Magnotta, qui a décidé de juste se mettre en scène lui-même? Puis ben, là, il a reçu des lettres. Il n'y avait pas encore Facebook dans ce temps-là. Il a reçu des lettres de Jack Léventreur. Puis bon, maintenant, est-ce que c'est véritablement Jack Léventreur qui les a écrits? Ah, ben là, peut-être pas. Il y en a une qui pense que oui. Fanatique, sûrement. Il y en a une qui pense que oui, puis là, c'est celle où Jack Léventreur se met en scène lui-même. Il dit juste, suis l'ombre dans les rues de l'ombre. Attends, mais une qui pense que oui, tu parles de la lettre ou la personne qui a reçu la lettre. OK, la lettre. Non, il parle de la lettre, il pense qu'il est réel, parce que je pense qu'il donnait des détails dedans qu'il n'y avait pas dit des couper un lobe d'oreille à la prochaine fille qu'il allait tuer. La prochaine victime avait un lobe d'oreille en moins. Fait qu'on pense que c'est Mais ça pourrait être un copycat aussi. Ça pourrait être une personne qui a juste repris la patente puis qui a fait exactement ce qu'il a décrit dans la lettre aussi. Il y en a eu beaucoup de ça. Une infinité d'affaires. Ça a tellement été mal géré, là. C'est ça. C'est les changements climatiques. Moi, je pense que c'est les maudits iPhone. C'est à cause de tout ça. Il n'y avait pas de Wi-Fi dans le temps. Non. Il fallait que tu tues des prostituées pour aller sur Internet à cette époque-là. Ça marchait. Ouais, est-ce que Jack Léventreur a juste décidé d'arrêter tout à coup hors de juste passe, il a émigré, il a changé de spot, exactement, pour aller quelque part où est-ce que eux, des filles mortes dans la rue avec les organes répartis dans la pièce. Il n'y avait pas commun. De problème, mais tu sacrais son camp en Inde. Oui, exactement. Infinie possibilité, puis on le saura jamais. T'es en pleine époque impériale britannique aussi. T'as genre la moitié du globe est britannique. À cette époque-là, tu peux pousser pour aller n'importe où. Tu peux aller en Amérique, n'importe quand. Il y en a beaucoup qui pensaient qu'ils étaient venus au Canada parce qu'ils ont commencé à en avoir des meurtres du genre, je pense, à Toronto. Ah, ouais. Il y avait des meurtres, mais style meurtrier en série. Mais là, je pense qu'ils avaient pogné un gars, mais là, genre, les dates ne fitaient pas. Puis le modus operandi était pas le même. Genre, je pense que lui, il empoisonnait des filles, genre, au hasard. Là, ce qui était absolument pas la même chose que Jack Léventreur. Ouais, mais... au hasard, c'est pas. Mais c'est que, genre, le gars était médecin. Puis, genre, je pense qu'il donnait des médicaments, mettons, à des filles.
mais c'était pas des médicaments, c'était du poison. Fait que la fille mourait loin plus tard. Y a-tu fait une série de documentaires sur Netflix où il relate cette affaire-là? Il me semble que ça me dit quelque c'est chose. C'est ça. Genre, je sais pas c'est où que j'ai vu ça, mais je sais que j'ai vu ça quelque part. Victorian Crimes. Là, ah, mais moi, dans mes histoires préférées comme YouTube, ça, aléatoire, il y a le... Una Bomber, là. Le Una Bomber, ouais. Qui est Ted Kaczynski, qui est quand même sick comme dude. Ça, c'est quand même fucked up. Il y a une série aussi sur Netflix, mais il y a... aussi qui est écœurante. Il y a son manifeste. Tu connais-tu ce dude-là? Non. Ça, c'est... ouais, alors lui, c'est un dude qui, dans le fond, il prévenait le monde de l'arrivée que... En fait, toute la technologie puis Internet, ça allait vraiment nuire à l'être humain. Mais c'était pas Internet puis, encore. Non, mais c'était pas Internet, mais la technologie, l'industrialisation, ouais. En fait. Ouais. Lui, c'est un néo-ludite, je pense. Quoi? Puis, ouais, un néo-ludite, c'est qu'il est vraiment contre l'industrialisation des choses et les progrès technologiques. Le gars était comme un anarcho-primitiviste. Il disait qu'il fallait qu'on revienne comme à l'époque de... Mais ça, c'est néo-ludite, ça revient à la même chose, je pense. J'ai jamais entendu ce terme-là. Mais moi non plus. Allez les googler, mais je suis quand même pas mal sûr de mon shit. Je pense que ça ressemble beaucoup à anarcho-primitiviste. Mais peut-être que c'est la même chose, mais que c'est juste un autre terme avec différents critères, là. Du nom, mais bref, lui, il vivait dans une maison dans le bois, il n'en avait rien à foutre, puis il a décidé d'informer la nation comme quoi que ça pouvait être grave, la technologie, puis dans la série Netflix, à un moment donné, il y a une scène qui dit que, mettons que toi, t'es en char, tu croises une lumière rouge, puis tu sais, il n'y a aucun char qui passe dans l'autre voie. Pourquoi t'as brûlé pas? Juste parce que la lumière te l'a dit, mais dans le fond, si tu utilises ton bon jugement, tu devrais pouvoir passer. Si t'es assez bright, il y a personne, je peux passer. Mais non, t'arrêtes. C'est un peu ça, sa mentalité. Plus il est vraiment contre ça, puis son moyen de manifester contre ça, c'est d'envoyer des colis piégés qui explosent en face du monde, mais à des trucs un peu bâtards. Là, il envoyait ça à du monde dans des universités, genre des chercheurs dans des universités, puis à du monde qui travaillait pour des lignes aériennes. Mais l'affaire, le gars, à la base, genre Ted Kaczynski, était pas un esti de dummy. Genre, le gars était clairement malade mental. Mais le gars avait bright, un PhD. Il était bright, ils l'ont poussé en tabarnak. Il a 15 ans, il était genre à Harvard, esti. Je pense que c'était à 16 ans, il était à Harvard. Le gars, il a fait un PhD. Il avait un PhD en mathématiques. Puis je pense de quoi en chimie aussi. Tabarnak. Fait que le gars était un génie. Le gars était un génie, mais à 16 ans, il avait skippé des années genre au secondaire. Il arrive à Harvard à 16 ans. Puis à 16 ans, il se fait ramasser, genre, je pense que c'est dans les années 60-70, il se fait ramasser dans le programme du MK Ultra américain, où est-ce que, genre, c'est leur programme où on essaie de déconstruire les gens pour voir si on est capable de les reconstruire. Fait que tu donnes de l'acide à du monde, puis tu les tortures mentalement pendant 12 heures avec des stroboscopes puis de la musique, puis genre déconstruire leur personnalité. Tu sais, c'est cette époque-là de tests. Il y en a eu beaucoup, ça, du... Ted Kaczynski, pour tes podcasts, ça pourrait être bon. Tu vas voir sur Netflix, tout le monde peut aller voir, c'est sur Netflix, là, mais il y a une série qui est écœurante où est-ce qu'ils l'ont comme dramatisé. Ça s'appelle... Non, c'est... Ça s'appelle quelque chose... Non, Chasing the Unabomber? Ça ça ressemble à ça. Ça s'appelle C'est son nom. Ils ont fait une série de documentaires. Ouais, puis il y a le film. Ils ont fait aussi, une série style dramatique, genre... Mais les deux sont solides. Ouais, moi, j'ai comme écouté les deux dans même semaine. C'est Manhunt, en fait. Tu sais, t'as Manhunt qui existe, mais c'est Manhunt sur Netflix. Manhunt, puis Unabomber. Là-dedans, lui, dans ses attentats, il avait dit à un moment donné qu'il allait tout arrêter si le New York Times publiait son manifeste. Mm-hmm. Puis ils l'ont fait, justement. Puis c'est grâce à c'est ça, c'est comme son erreur qui a fait qu'il s'est fait incriminer. Mais ils l'ont publié, puis il est disponible sur Internet en français, en anglais, en allemand. Son manifeste. Ouais, il l'a au complet. De comme... C'est intéressant. Mais 50-60 pages. Wow, c'est sur l'air. Moi, je l'ai pas lu au complet, c'est mais je l'ai. C'est une thèse d'un universitaire. Non, j'ai lu un bout, puis tu sais, pour ceux qui vivent maintenant avec la technologie, il y a plein de trucs que lui prédit avant qu'effectivement soient arrivés. Puis t'as pas le choix de checker ça en disant. Ouais, il a un peu raison, mais rendu là, c'est juste un gros choix de société d'aller dans cette voie-là. Il a même prédit la Wii U, quoi. C'est un hostie de malade. Yoshi, là, c'est ce gars-là, hostie. À cause de lui. On vient de brasser une carte. La première fois, je disais quelque chose d'un peu pertinent sur le podcast. Je te ramène dans ton naturel. C'est la première fois que j'ai gâché vos chroniques. OK. On jouera à Halo tantôt. Est-ce sinon, je vais finir ça là-dessus. Charles, t'as-tu genre une anecdote de scène dernièrement qui t'est arrivé que c'était de l'hostie? Moi, je veux que tu racontes avec Dave Godet.
je peux raconter cette anecdote-là, effectivement. On était à Gatineau, puis... Je sais pas, j'ai un problème à Gatineau. Ça fait une couple de fois que ma relation avec le public... fonctionne pas. L'énergie passe, oui. Il y a comme... je sais pas ce qui se passe, mais on s'aime pas, Gatineau puis moi, ces temps-ci. Bref, j'étais en show une soirée là-bas, puis ça... Tout semblait s'orienter pour bien aller. J'étais avec mes chums Jesse Shea et Dave Godet sur le spectacle. Ah, okay, mais bon, c'est Bisaillon qui animait. C'est Bisaillon qui animait en plus. Ça va être du gros plaisir. Quelqu'un de docile. Fait que là, je commence. Je me dis, en plus, je vais faire le stock que je suis en train de roder en ce moment. Puis ça va bien. Puis je suis heureux. Ça marche à Montréal. Let's go. C'est un bon moment pour l'essayer. Fait que là, je pars mon number, puis ça va pas spécialement bien. Ils ont l'air... Pas mal encore, mais... Ils ont l'air un petit peu opaques. Okay. Ils ont l'air immunisés à mes charmes. OK, ça va. Ça, c'est bien dit quand même, Charles. Là-dessus, je te donne un 10 sur 10. Ça, c'était assez excellent. OK, je vais m'en tirer. Là, bon, je finis mon numéro. Attends, là, j'ai la chute du number. Là. Ça, c'est plein d'énergie. Les gens vont triper. Même à Montréal, je défonce tout avec ça. Il n'y aura pas de problème. Je commence ma montée. Je suis comme, non, ça va pas. Non, comme ça devrait aller. Là, puis là, je finis. Nanan, au bout, j'ai habituellement un rire. Ah, ça se finit avec un gros crise de silence. Non. OK. Oh. OK, c'est pas grave, j'ai d'autres matériels. C'est le premier 8 minutes, il n'y a pas de problème. Et là, il y a quelqu'un qui me crie à ce moment-là. C'est pas drôle! C'est pas drôle, va-t'en! T'es poche, va-t'en! Ah non! Bouh! Que ce soit arrivé exactement au moment où je finis le punch-out d'un numéro que j'adore, qui va super bien d'habitude. Et de voir ce punch-out-là, 0% rentré, tout de suite suivi d'un dude qui me dit « T'es poche, va-t'en! » Là, j'ai comme court-circuité. Oh, j'ai eu un moment Terminator. Oh non. Puis je l'ai laissé passer la première fois. J'ai fait comme « Hey, qui a dit ça, quoi? Sérieusement? Qui? » Silence, il n'y a personne. Ah, si personne a dit ça, d'accord. Eh bien, ne refaites plus ça. Là, j'embarque dans un autre number. Il repart. « T'es pas... C'est plate, votage! » Mais non, là, je... Qui? Encore une fois, qui a dit ça? Qui? C'est moi! Ce serait-tu possible de me laisser faire ma job? Ouais, t'es en train de faire chier tout le monde ici qui est venu voir le spectacle et m'empêcher de faire mon travail. Là, j'ai une clap de sympathie du reste du public. Ça va bien. OK, c'est beau. On est reparti, back in business. Je peux les sauver. Ah, là, je pars sur une bite. Là, c'est vraiment de la merde d'être un humoriste. Là. OK, je les ai, là. Ça marche. Tout va pour le mieux. T'es poche, va-t'en! Comme tabarnak. Là, j'ai sauté un fusible. Et je suis allé l'insulter pendant 5 minutes. Ah, yes! C'est quoi que tu as dit en gros? Ça m'appelle quoi les insultes? Parce que moi, Dave Godet me l'a conté et m'a dit que t'étais vraiment Bill Burr experience. Que tu utilises des insultes que lui, dans son vocabulaire, qu'on ne sait même pas. Là. Je me suis, pour vrai, j'ai rebooté dans les loges par la suite. J'étais vraiment en crise. Ah oui, c'est clair. Parce que même au moins. Oui, mais c'est ça qui est drôle, en fait, dans toute cette affaire-là. C'est qu'il y a eu un... Au début, ça allait vraiment bien, puis les gens étaient comme « Colin, yes, il est vraiment en train de... Ce dude-là est vraiment en train de se faire déchirer un nouveau trou de cul. » Si je te donne la note, puis le début, t'es-tu capable de continuer? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais le début de ton... Mais donc, je suis comme genre « Est-ce-tu d'homme blanc privilégié? » Ah ouais, mais c'est ça, parce qu'à un moment donné, je sais pas, il est embarqué dans « Ouais, est-ce que tu n'as pas le droit de parler? Ça, c'est Bagdad! » Je suis comme « C'est Bagdad? Sérieux? Es-tu déjà allé à Bagdad, ce petit vieux Chris de gros colons privilégiés qui contribue à rien? Une affaire de même pendant... C'est ça, l'affaire. C'était le fun au début, les gens trouvaient ça amusant, puis à un moment donné, à partir de la troisième minute, la fille qui était responsable du spectacle est venue me voir pour me faire « Là, faut continuer le spectacle, il va falloir arrêter. » Je suis comme « Mais il arrête pas de me répondre, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça fait 4 fois qu'il interrompt le spectacle, et tu là, je suis dans mon micro en train de faire ça. « Tabarnak, fille, est-ce qu'il faut que... qu'est-ce que tu veux que je fasse? » C'est bon, on va s'en occuper, il est plus là. Bon, parfait.
maintenant finir le spectacle. Non. Il était encore là, tabarnak. Non, 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 non. Fait que là, j'ai fait, non, fuck that shit, man. Je vais faire une dernière anecdote, puis chaque bon camp. J'ai effectivement fait ça, puis je suis reparti, là. Je suis sorti de scène. Oh, c'est clair. J'allais fumer une cigarette en deux bouffées. Oh, ouais. T'es pas de respect en Puis après ça, ah, j'ai appris que... Mais c'est correct. C'est moi qui ai gagné en fin de compte parce que ce dude-là est parti après avoir vomi dans son pichet et en avoir repris une gorgée. Nice! Oh, wow! Vous voyez... La vie s'en est chargée. Je suis tombé en bas des escaliers, mais la grande justice cosmique s'est quand même un petit peu occupée de ce gars-là. Et c'est tant ça l'essentiel, mieux. Les tant bons. Mieux. Bon, c'est que la causalité va toujours finir. Amen! Bon. Sinon, t'avais-tu des trucs à plugger? J'ai mon nouveau podcast, Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne. Oh oui, allez vous YouTube, Urbania, SoundCloud, iTunes, puis je sonne déjà comme un Google vieux. Play. Je sonne pas comme un vieux. Non, oui, on est sur Google Play. Sûrement. Je sais pas, j'ai si pas. Tu donnes sur un, tu le donnes sur ouais, l'autre. Allez voir sur Google ouais, Play si on n'est pas allez là. Allez voir ça, sérieusement, c'est très très bon. J'ai adoré ça. Je fais mon nouveau spectacle de mon nouveau 60 minutes, là, mon nouveau une heure de stand-up. Les corbeaux me regardent d'un air bizarre au Dr Mobilo Aquafest le 8 mai prochain. Oui. Jack Lemmon. Cette fois-là, on le manquera pas. Ben, non, moi, je ne sais pas qui allait passer, puis cette année, je vais pas. Les boys, je me suis pogné un metteur en scène. C'est ah oui? C'est qui? Michael. Louis-Philippe Labrèche. Je le connais pas. Je connais Marc Labrèche. On l'appelle Serge Postigo pour les intimes. Serge Postigo n'a rien à voir avec ce spectacle. Je pas à faire ces affaires-là, les boys. Ça, c'est ton show avec Jesse aussi? Oui, Yorick et Pierrick, ah, puis le Comédival Show. La ouais. pub était malade. Yorick et Pierrick, Comédival Show. J'ai vu la pub. J'étais genre. Ouais. Je l'ai vu durant la journée. Puis le soir, j'étais voir ma blonde. Puis j'ai fait OK, il faut que tu vois ça. Puis j'ai montré la pub parce que j'ai juste trouvé ça tellement cool, écœurant. C'est Jesse puis moi vrai. Qui sortons nos personnages de GN et on a ouais. monté un spectacle à partir de nos bonhommes de GN. Puis ça a l'air ouais. de bien. En tout cas, on avait notre premier rodage la semaine dernière, puis on est bien contents. Je pense c'est angoissant un peu de genre, le présenter devant des moldus, mettons. Ah non, moi, je me sens tellement en sécurité quand ouais. je joue ce bonhomme-là. Là. C'est plus facile qu'être Charles Beauchesne sur scène. Oui, exactement, parce que tu mets comme un espèce de mur un de gros plus, masque de bonhomme. Là. Ouais, ouais, c'est, ouais. Je suis complètement blindé. Là. Tu peux m'insulter, c'est pas grave. Ouais, c'est un personnage ouais, qui peut l'absorber. C'est parfait. Ouais, fait que le Comédival Show au Zoofest, puis Charles Beauchesne parle de Jack l'Éventreur pendant 60 minutes le 26 juin, si je ne m'abuse, au Minifest. Par curiosité, tu fais-tu encore celui sur la peste noire? Il est en congé pour l'instant, mais je vais le refaire à un moment donné quand... Suis moi le temps de faire mousser le podcast. Ouais. Allez, écoutez, son podcast. Ouais, c'est vraiment bon. Oui, merci. Mais merci beaucoup d'être venu, Charles. Puis, oui, merci à tout le monde d'avoir écouté. Puis, bonne semaine. Bonne semaine. Yeah. Bonne semaine. Yeah. À la prochaine.